Bonsoir à Alexis, que je suis Alexis Poulain, que je suis ravi de recevoir, que je vous vois puisque je ne le connais pas encore. Bonjour, bah merci, ravi aussi, merci Fred. Salut Didier, bonjour tout le monde. Salut, salut Alexis. Alors, juste avant que tu fasses le résumé, parce que justement j'allais annoncer ça, je voulais d'abord vraiment remercier Alexis parce que moi je suis un peu le mec de droite. Alors pas toujours très clair, parfois j'ai un peu le cœur à gauche, mais on s'en tape, je fais partie de ceux qu'on traite parfois de fachos, je ne sais pas si c'est totalement justifié. Et ce soir, Didier et vous, venez accepter de parler. Alors merci, parce que c'est l'illustration parfaite de ce que nous cherchons à créer, c'est-à-dire une intelligence collective capable de transcender nos petites problématiques idéologiques, les remettre à plus tard, d'accord? Le jour où on aura refait société, refait démocratie, on l'espère, d'ailleurs pourquoi je dis refait? Elle a existé la démocratie, je sais pas, bref, on aura fait peut-être démocratie, on l'espère, et puis là, on pourra à nouveau s'engueuler respectueusement dans un logiciel refondu qui aura une chance d'arrêter de bugger. Bon, c'est un peu le, voilà, c'est un peu ça l'intention. Et là, on s'était mis d'accord avec Didier pour qu'à votre arrivée, cher Alexis, on puisse le laisser vous faire un résumé de l'heure qui s'est écoulée. Voilà. Résumé de l'épisode, et on relance le débat sous cette forme-là. Bon, Ah bah, très bien. pour pas être pénible pour les gens qui nous suivent, j'essaie d'être synthétique. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre va mal tine. Bon, en une minute, disons, on a fait un tour d'horizon en expliquant que effectivement, il était urgent de quitter tout ce qui était supranational, hein, donc l'Union européenne, l'OTAN, par exemple, au hasard, avec un monde qui est en train de se recomposer. Avec un Barry Sanders qui est parti, on va dire, du côté des BRICS, hein, c'est un peu là-bas que ça se passe. Allez, 50% du PIB, trois quarts de la population mondiale, un pôle d'attraction très fort, notamment vis-à-vis de tout le continent africain. Une Turquie qui est un peu au milieu, là, je disais, deuxième armée de l'OTAN, huitième armée au monde. Et on voit bien qu'elle est en train de. Pays musulman de 80 millions d'habitants, hein, qui est en train de basculer aussi de l'autre côté. Bon, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, géopolitique. Et d'un point de vue plus intérieur, celui qui nous intéresse au premier chef, évidemment, on voit bien que, y a allez, beaucoup de citoyens français, une grande majorité des citoyens français, qui sont pour refaire un pays, qui sont pour le souverainisme, même s'ils ne prononcent pas le nom, pour lesquels les questions droite-gauche sont obsolètes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir d'achat, c'est vivre dans la paix, l'harmonie, la sécurité, comprendre, retrouver un peu leur pays, des services publics dignes de ce nom, avec, dans un pays où les prélèvements obligatoires sont à peu près 48%. On est la septième puissance mondiale selon différents critères. Allez, mettons la septième. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Bon. Donc nous, on est, toi et moi, on n'est pas si nombreux en fait en France à pouvoir faire ce lien avec ce qu'on appelle les extrêmes, qui ne sont pas du tout des extrêmes, hein, qui sont simplement 75% de la population française. Hein, c'est ce qu'on a retrouvé. Et d'ailleurs, une petite précision, mon cher Didier, parce qu'elle est importante pour qu'Alexis nous situe aussi dans notre rencontre. On s'était croisés professionnellement, toi et moi, Didier, mais rappelons que nous nous croisions aussi fraternellement, régulièrement, pendant les manifestations des Gilets jaunes, et que nous étions tous les deux des soutiens ardents de Monsieur Étienne Choir. Voilà. Et donc l'idée, voilà, c'est comment on fait. Alors, il y a des points d'achoppement. Moi, je disais que ben, dans ce premier temps, il y a la rencontre, en fait, de tout ce qui est rationnel, réfléchi. On va s'organiser entre nous, évidemment. Et puis, une autre courbe qui est la flammèche, quoi, hein, finalement. L'événement qui va précipiter les choses, le réducteur d'incertitude absolue, au hasard, le pouvoir d'achat. Ça peut péter à n'importe quel moment. Donc, il faut la jonction, bien sûr, de quelque chose qui est bien sur son socle, avec des idées claires sur un certain nombre de thématiques, mais aussi comprendre que ça ne va pas se décider comme ça d'un claquement de doigts, que ça peut péter à tout moment, dans un mois, dans 15 jours, dans 10 ans peut-être, hein, parce que Rome a mis plusieurs décades, voire siècles, à s'effondrer. Donc, on peut comme ça être dans une lente décrépitude, personne ne le souhaite, mais donc voilà. Et pour finir, je disais que c'était rendu un peu plus complexe, parce que la plutocratie, l'oligarchie, appelons-la comme on veut, a aujourd'hui tous les leviers, non seulement les leviers politiques, syndicaux, institutionnels et l'autorité judiciaire,
on est bien placé pour le savoir, mais aussi les leviers médiatiques et de communication avec les cabinets, l'activité et compagnie. Donc, on voit un peu toute l'étendue du problème. Et enfin, je concluais en disant que il y aura une phase forcément où ça va un peu racler, ça va être difficile, des choses qu'on n'aura jamais vécues. Et pour s'assurer de ne pas se faire voler la victoire, je disais qu'il fallait exclure d'emblée les syndicalistes, les députés, les sénateurs, tous ceux qui ont exercé des responsabilités dans ce monde-là depuis 40 ans. On ne va pas régler les problèmes avec eux, puisque c'est eux qui en sont les principaux acteurs. Voilà. En gros, je pense. Alors, ce qui m'amène à une question de transition pour pouvoir, entre guillemets, céder la parole à Alexis Poulain, qui puisse donc dérouler aussi, nous donner son ressenti sur tout ça. Cher Alexis, le point de départ, là, c'est de dire on sature tous de diagnostics, on sature tous d'analyses et de prospectives. Tous les gens qui sont sur un space comme celui-là ont tous ce point commun qu'à un moment donné, ils ont dit comment on fait. Donc, je voudrais savoir si, un, vous partagez ce ressenti, c'est-à-dire l'envie de passer à l'action, et deux, quelles sont vos premières recommandations pour que ce passage à l'action ne soit pas trop rugueux, chaotique et voué à l'échec ? Alors oui, je suis d'accord qu'effectivement, on fait constat après constat les mêmes conclusions et que la conclusion finale, c'est celle de Lénine, c'est que faire ? La question, voilà, comment passer à l'action ? Que faire ? Alors, évidemment... je ne pense pas qu'on soit dans un temps révolutionnaire, on est dans un temps pré-révolutionnaire. Pour moi, tous les moments, tous les points sont en train d'être passés pour amener l'inéluctabilité d'une révolution, et ce n'est pas forcément une révolution comme on les a connues. Et aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs la contraction des gouvernants sur la censure des réseaux sociaux, sur le contrôle du pouvoir, sur la mainmise, hein, l'espèce de putsch qu'a fait Macron. Ils sont conscients, je pense, de cette période pré-révolutionnaire. Les Gilets jaunes ont été un effet d'appel énorme. Avant ça, il y avait Occupy Wall Street, il y a eu plein de mouvements, il y en aura encore. C'est par vagues et quand le Covid arrive, juste avant, il y avait plus d'une cinquantaine de pays qui étaient dans la rue contre leurs dirigeants. Donc il y a une illégitimité totale des pouvoirs en place actuellement dans de nombreux pays. Je ne dis pas partout, mais dans de nombreux pays. Donc la question, c'est comment reprendre le pouvoir qui a été confisqué. Et pour ça, il y a plusieurs moyens d'action. D'abord, l'action politique. Pour moi, elle est nécessaire. Aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives, des partis citoyens. Il y a le RIC constituant. Il y a les assemblées des assemblées des Gilets jaunes. Il y a plein de petits partis aussi souverainistes qui ont vu le jour et qui essayent de vivre. Donc, d'abord, réflexion et organisation politique. Ça ne suffit pas. Preuve en est, vous avez quelqu'un comme Asselineau qui fait avec son parti des scores ridicules dans les urnes puisque le système est verrouillé et qu'il n'a pas accès aux médias et que malgré un discours construit depuis des années, un parti existant, ça ne fonctionne pas puisqu'il y a un plafond de verre. Et d'ailleurs, je tiens à alerter tous ceux qui aujourd'hui penseraient que Sarah Knafo est une merveille ou que Marion Maréchal va sauver le monde. Ce sont des marionnettes comme les autres. Sarah Knafo, c'est le Mossad et la CIA. Marion Maréchal, c'est pareil, c'est les États-Unis. On a derrière quand même des gens qui sont choisis, qui sont castés, hein, qui ont fait l'ENA, etc. Donc pour moi, c'est attention à Oui, puis ils prétendent gratouiller l'Europe de l'intérieur, mais ils disent pas clairement qu'ils veulent en sortir. Voilà. Déjà, ça, au moins, c'est factuel, on ne peut pas se tromper. Il y en a un qui l'a fait, c'est Nigel Farage, et il est en train de bousculer aussi la politique britannique, mais ça a mis des années. Sarah Knafo, c'est vraiment un leurre, hein, c'est vraiment terrible de tomber dans le panneau. Donc, action politique, mais ça ne suffit pas. L'autre point clé, c'est l'action médiatique, c'est-à-dire la prise des rédactions. Comment faire pour que dans les médias mainstream, on arrête de nous rabâcher la même chose, qu'on n'ait pas des lâches qui, pendant la période Covid, se taisent alors qu'ils auraient pu dénoncer la censure, la folie des auto-attestations, mais qu'on préférait fermer leur gueule pour leur gamelle. Ceux-là, ils sont nombreux, ils sont en train de faire leur mea culpa, mais ça me fait doucement rigoler. Donc, la reprise des médias. Et ça, les oligarques ne vont pas se laisser faire puisque eux, ils ont investi depuis des années pour être bien sûr qu'ils avaient mis toute une rédaction au pas qui allait faire de la propagande et c'est aujourd'hui caricatural.
Donc, c'est caricatural, mais c'est encore 10 millions de personnes chaque jour qui s'informent hein, via les JT, qui regardent les mainstream. L'air de rien, c'est quand même beaucoup de monde qui ne comprend pas, en fait, le mensonge que sont les médias mainstream. Restons sur le sujet des médias. On est bien d'accord, c'est une réponse à ce qu'on peut appeler une guerre de cinquième génération, une guerre cognitive. Le récit est maîtrisé par d'autres, il est complètement bancal. Donc là, le but, c'est de riposter à une ingénierie sociale qui est quand même hyper sophistiquée. Ça vous semble jouable, ça? Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, d'ailleurs. Oui, ça semble jouable, parce que si vous avez des trublions comme Elon Musk qui décident de s'attaquer à l'ordre existant en disant « Moi, finalement, ils me font chier, les Soros et tout, je ne vais pas m'emmerder à acheter des médias, je vais acheter une plateforme et on va jouer. » Mais ça reste un jeu de milliardaires hein, et de multimilliardaires. Donc, c'est compliqué de rentrer dans le jeu et de dire ah, on va en faire quelque chose. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que les moyens d'action, ils sont pour moi, de l'ordre de trois. Donc, l'action politique, l'action médiatique et puis ensuite l'action culturelle. C'est-à-dire la bataille culturelle qui fait que les idées gagnent avant que tout se mette en branle. Donc, aujourd'hui, clairement, le souverainisme a gagné. Hein. C'est un terme qui était un terme tabou il y a ça, quelques années, même un an, deux ans. Et depuis les différentes catastrophes qui ont été provoquées hein, par nos chers leaders nourris au Bilderberg et au Young Leader Programme, ils dévoient le terme de souverainisme en parlant de souveraineté européenne, par exemple. Donc l'idée, c'est de démonétiser un terme qui veut dire quelque chose, de rendre même la politique inefficace. Donc la guerre culturelle, eux, ils l'amènent, et ils l'amènent de manière assez féroce et assez... On a l'impression qu'ils appliquent la recette orwellienne à la perfection. Mais bien sûr. Les mots ont été vidés tout de leur sens. Tout est écrit, que ce soit Machiavel, que ce soit Orwell, que ce soit Bernays, toutes les recettes en fait, de manipulation, elles sont connues, elles sont assez faciles en réalité. Et aujourd'hui, vous avez des moyens de les mettre en œuvre qui coûtent encore moins cher qu'auparavant et qui sont encore plus efficaces. Le contrôle des réseaux sociaux, c'est un enjeu majeur, une politique majeure. C'est pour ça qu'il y a autant de fébrilité à l'heure actuelle, parce qu'Elon Musk les a un peu emmerdés. Didier voulait glisser une petite remarque. Non, mais c'est pour ça, on disait par rapport à tout à l'heure, que ce qui est terrible, on parlait du vocabulaire, hein, du champ lexical, du champ sémantique, de la culture. Effectivement, il y a... Je vais faire attention à ce que je dis, parce que forcément, nous, on en sait un peu plus sur les médias... sur des patrons de médias aussi qui sont directement reliés à des services secrets de puissances étrangères et qui ont des hommes ou des femmes politiques tous les jours au téléphone, j'en dirai pas plus. C'est un peu compliqué parce que en prononçant des termes qui feraient croire au peuple qu'on est dans la souveraineté, dans la démocratie, etc., en fait, c'est déjà du washing, quoi. Bien sûr. Ça, c'est très. Je l'ai vu, j'ai regardé tout à l'heure, Alexis a fait sa revue de presse. J'ai regardé ce qu'il disait sur Orban. Et effectivement, Orban, ben, c'est le méchant loup, quoi. Orban, il est hongrois, tout le monde lui tombe dessus, vous n'avez pas le droit. Mais ce coup-là, cette saloperie, elle a été faite il y a trois jours à Assange par le petit couple de Conspiracy Watch. Ouais, mais faut pas parler d'eux. C'est voilà, ils ont pas d'audience. C'est pas. Ils font partie de la guerre culturelle. Mais... Pourquoi? Parce que derrière, on voit bien que c'est personne. C'est vrai. Hein, ils sont suivis par peu de gens, etc. Sauf que derrière, à l'œuvre, il y a toute une ingénierie qui est quand même assez puissante et qui va en fait. Eux, c'est un peu les grossistes. Ils vont t'amener à te pourrir le débat public avec des éléments de langage, des rumeurs. Parce qu'à la fin de la séquence, tu entends, c'est un violeur, négationniste, au service de la Russie, tortionnaire, il mange des petits-enfants, quoi. Et ça, c'est terrible, parce que ces discours, ils arrivent à être relayés dans les médias mainstream. Il en reste toujours quelque chose, une espèce de bruit de fond, et c'est pour ça que les termes complotistes, conspirationnistes ont été inventés, d'ailleurs, par les... Alexis et Didier, je vous conseille, si vous voulez pas parler des deux crétins auxquels tout le monde pense, vous les appelez Bouvard et Pécuchet. Vous envoyez les gens sur Wikipédia, ils verront que Flaubert avait pour intention d'écrire un dictionnaire de la bêtise de son époque, qu'il n'a pas pu terminer parce qu'il est mort avant. Et Bouvard et Pécuchet, c'est deux abrutis qui réalisent en discutant sur un banc qu'ils ont le même métier, ils sont copistes.
Et il y en a un qui hérite d'une somme folle, tout à fait par hasard, parce qu'il a un oncle de je ne sais pas où qui meurt. Et du coup, ils décident de vivre ensemble et de continuer à échanger dans leur rêve. Donc là, vous voyez, l'équivalent de l'héritage, c'est le fonds Marianne. Bref, moi, je les appelle Bouvard et Pécuchet, c'est bien daté. Mais tout ça pour dire qu'on peut être un peu goguenard et que la meilleure des ripostes, c'est en effet de mettre les rieurs de notre côté. En attendant, je voudrais qu'on reste quand même sur le thème du space, qui est l'action, le passage à l'action. Et je voudrais arriver sur un thème un peu douloureux, chers amis, qui est, que je vais intérioriser moi-même, En me présentant comme le clampin de base qui se dit « Demain, je m'énerve, qui me soutient ?» Comment vous dire, beaucoup de gilets jaunes actuellement sont privés de leurs droits civiques, ont tout un tas de problèmes qui continuent à s'accumuler. C'est-à-dire que je pense que la démarche émasculatoire consistant, c'est très freudien d'ailleurs, hein, crever les yeux, rappelez-vous les contes d'Hoffmann, l'inquiétante étrangeté, etc. Tu commences à crever les yeux des gens, tu crées une angoisse qui paraît-il est reptilienne, profonde. Crever les yeux, arracher les mains, ça crée un traumatisme psychique extrêmement profond à l'échelle d'un collectif, mais je passe sur les détails psychanalytiques. Passons. En tout cas, ça marche, quoi. Et quand les gens nous parlent, ils disent « Ouais, je veux bien, enfin, moi, je veux bien aller même sur n'importe quelle barricade ou faire le mouvement que vous voulez. Je risque gros, je suis pas sûr que les autres abrutis, là, ils vont me suivre, etc. » Donc, quelle est la force qui peut émerger et dire « Voilà, avec le bon charisme, le bon message, la bonne aspiration, le bon programme, on peut vous mobiliser ?» Sans risque, avec pas sans risque évidemment, mais avec au moins un début de commencement de garantie, peut-être pas de certitude, qu'il y aura un maximum de gens qui vont se relever en même temps. C'est ça le vrai sujet. Les gens se disent, moi j'irai quand vous me direz d'y aller, mais ils savent pas qui va leur dire. Sur l'action qu'on pourrait dire radicale, aujourd'hui, il y a eu par exemple à la veille des JO un sabotage, on sait toujours pas qui l'a fait. L'enquête n'a pas abouti. Donc des actions de sabotage peuvent réussir. La désobéissance civile, pour moi, a beaucoup plus de portée que la barricade. La barricade, elle peut arriver à un moment où la masse est critique. C'est-à-dire que ce n'est pas une compagnie de CRS face à 500 manifestants. C'est la compagnie de CRS est obligée de se barricader et de partir parce que sinon, c'est... Ou de se mettre du côté des manifestants, parce que ça, c'est l'autre sujet que je voudrais aborder là, après. Là, je ne sais pas si avec les 7 sur 20, on y arrivera, parce que je crois que là, aujourd'hui, on recrute des policiers qui vont obéir. Et il y a une démission terrible hein, dans la police. J'en parlais avec mon invité Jean-Pierre Colombis. C'est plus de 17 000 gendarmes qui démissionnent par an, 18 000 policiers. Les gens qui aiment ce métier-là ne le font plus. Hein. Donc ils ont compris que c'était un foutage de gueule et qu'on leur demandait de faire de la merde. Donc aujourd'hui, on recrute pour compenser les pertes avec des gens qui vont se fatiguer en fait à frapper sur le peuple. Est-ce que ça se retourne à un moment? Je ne sais pas. Il faut aller assez vite en fait pour que ce moment révolutionnaire arrive avant les drones, avant les machines. Parce qu'après, ce sera les pacificateurs de Panem, ce sera des machines face à des hommes et on n'aura aucune chance. Donc, il y a effectivement l'aspect radical, mais pour moi, la barricade, elle arrive à la fin, quand tout est prêt, quand le moment est tel qu'il n'y a pas de doute pour dire on va être 3 millions dans la rue et on aura 500 tracteurs et voilà. Alors, comment vous visualisez les étapes qui nous amènent à être prêts? D'abord, est-ce que dans l'équation, de ce moment radical, moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, si l'action, pour moi, l'action première, prioritaire, c'est l'action médiatique. C'est reprendre le récit médiatique. C'est être capable de dire l'audience a changé. Aujourd'hui, X, c'est minuscule par rapport aux médias mainstream, par rapport à Facebook, etc. Les plateformes s'organisent pour la censure, mais vous avez quand même des solutions de contournement, des choses qui existent, et elles sont de plus en plus nombreuses, et les gens se détournent de plus en plus des médias, dégoûtés qu'ils sont de voir qu'ils ne font pas leur boulot. Ouais, mais là, ça va prendre encore 10 ou 20 ans. Mais c'est long. Mais attends, mais on la verra pas, la révolution. Nous, ce qu'on fait, là, le travail qu'on fait, c'est pour nos gosses, c'est pas pour nous. Ouais, mais entre-temps, la société sera tellement fragmentée, atomisée, anesthésiée, pour ne pas dire trépanée, que je me demande si on a raison d'attendre. Non, mais on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que le moment temporel, ce n'est pas nous qui le décidons, et c'est certainement ça. Pas avec une action radicale, parce qu'aujourd'hui, rien n'est prêt, et l'État, en revanche, est très prêt. Il suffit de voir ce qui se passe si en Martinique. Si on fait ça, on se fait rétamer en Mais bien sûr, bien sûr. Encore quand je pensais même pas être radical quand j'évoquais la notion de manifestation, j'imaginais même pas encore les barricades. C'est-à-dire que je pense que les gens ont même peur du contrôle fiscal qui va les lessiver, du simple fait qu'ils mettent leur identité en avant dans une manif pacifique.
C'est ça le problème, quoi. Et c'est là que le régime est particulièrement redoutable, hein, si vous me permettez. Et c'est pour ça que le régime, aujourd'hui, prélèvement à la source, QR code à tous les étages, carte vitale dématérialisée, carte d'identité, etc. Et ça fait que, quand tu as le convoi de la liberté qui arrive au Canada, les mecs sont interdits bancaires, sont virés. Enfin, l'action, elle est non violente. L'État n'a même pas besoin d'envoyer des CRS ou quoi que ce soit. C'est des gens, c'est le crédit social. Donc aujourd'hui, le plus gros danger que nous courons, c'est effectivement l'installation accélérée du crédit social. Et on peut faire confiance à Macron pour suivre le calendrier. Comme toujours, il y a des petits cailloux. Et pour moi, l'important aujourd'hui, c'est la guerre culturelle et médiatique. Alors, une question en passant. Moi, je vais peut-être avoir l'air de fantasmer, mais souvent, j'ai une sorte de nostalgie qui me prend aux tripes quand je vais sur le plateau des Glières, où je vais régulièrement en pèlerinage. Et vous avez ce monument aux morts, etc. 600 et quelques personnes se sont engagées dans la résistance. Même De Gaulle ne les a pas tout de suite reconnus, mais il est allé après lui-même faire son pèlerinage pour les remercier d'avoir sauvé la face de la France. Donc parfois, c'est une petite poignée d'hommes, hein, qui galvanise le reste de la population, en tout cas de ceux qui sont rentrés en résistance. Mais un truc à ne pas oublier, c'est que les mecs qui étaient sur le plateau des Glières recevaient quand même des soutiens aériens de la part de puissances étrangères. Et De Gaulle lui-même, dans certains discours, du mois d'août qui a été célébré là au dernier mois d'août disait nous y arriverons grâce au soutien des puissances étrangères qui sont de notre côté. Est-ce que franchement, regardant les choses en face, vous n'avez pas envie à un moment donné de dire il faut qu'on crée une forme d'international et on n'y arrivera pas tout seul, il nous faut le soutien d'autres pays? Si oui, est-ce que vous pouvez éventuellement développer là-dessus, nous dire ce que vous pouvez nous dire, parce que moi je suis convaincu qu'il faut aller sur le terrain aussi. C'est-à-dire, c'est pour moi, c'est peut-être même la riposte idéale au mondialisme, c'est de nous internationaliser nous-mêmes et d'aller chercher des soutiens que nous n'avons peut-être pas encore pour le moment à l'échelle de notre nation. Mais c'est ce qui se passe en Afrique, si tu veux regarder ça comme ça. Les jeux de pouvoir sont tels que c'est le cas. En Europe, c'est les États-Unis, hein, qui ont raflé la mise. Aujourd'hui, l'ingérence majeure, la puissance étrangère majeure qui est celle qui gère toutes les affaires courante, c'est les États-Unis. C'est eux qui choisissent qui va être leader dans le jeu politique. C'est eux qui font le casting. C'est eux qui ensuite donnent des ordres à l'OTAN et tout le monde obéit. L'Europe est un projet transatlantique. Donc là-dessus, on a totalement perdu. En revanche, ce qu'on appelle le monde occidental, il est en train de perdre de sa superbe. Les mouvements décoloniaux qui commencent à sérieusement imprimer en disant « mais vous avez fait votre fortune sur l'oppression des peuples » et sur le fait qu'en fait, vous êtes allé piller des terres et des peuples, et maintenant, vous êtes en train de faire la leçon comme étant la lumière morale du monde. Or, la lumière morale du monde, on la voit à Gaza, c'est un scandale. Et le scandale, il est accompagné du silence complice de tous les pays occidentaux qui soutiennent Israël et Netanyahou dans sa politique génocidaire. Donc aujourd'hui, l'Occident est tombé de son magistère moral. L'Occident va tomber de son magistère économique. La zone euro, c'est une catastrophe, c'est voulu par les États-Unis, mais ce que n'avaient pas prévu les États-Unis, c'est que le dollar est en train de se casser la gueule de manière sévère. Trump, une de ses priorités, c'est de censurer tous les pays qui voudraient s'éloigner du dollar, parce qu'il a très bien compris que sans le dollar, les États-Unis, c'est fini. C'est l'a dit hier. Mais je vais remettre le dollar au centre de l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, si on est malin, si on est effectivement, si on avait des leaders malins, ils seraient non alignés, ils joueraient sur plusieurs tableaux. Alors Macron, j'en dis beaucoup de mal, mais il a quand même fait une grosse ouverture sur l'Inde, parce qu'il a bien compris que l'Inde, ça allait être un acteur clé de la diplomatie, de la géopolitique et de l'économie mondiale. Donc là-dessus, il n'a pas été trop bête. Avec la Chine, les Français, ça fait longtemps aussi qu'on a un double jeu. Avec la Russie, en revanche, là, bon, c'est patatras total. Avec l'Ukraine, là, on est du côté américain et ça mettra des années pour sans doute renouer un dialogue. Mais globalement, les équilibres sont en train de bouger et les États-Unis ne vont pas financer 10 guerres. Ils vont peut-être pousser Israël à aller au carton avec l'Iran, mais dans la limite de l'acceptable. Voilà. Pour l'Ukraine, visiblement, c'est en train de s'essouffler sévèrement, mais il faut tenir la face jusqu'aux élections américaines. Et puis pour Taïwan, c'est pas sûr que les États-Unis veulent mettre un jeton sur la table.
Encore une fois, tout est possible, hein. Il suffit de voir la manipulation qui a été à l'œuvre après le 11 septembre pour accuser l'Irak et faire une guerre du pétrole. Donc, de toute façon, ils sont capables de tout. Mais ils n'ont quand même plus les moyens de pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent, même s'ils réinstallent une guerre froide qui va peut-être être à leurs dépens. Ce qu'on vit aujourd'hui, après avoir vécu la fin de l'Union soviétique, c'est peut-être la fin de la Pax Americana et la fin de l'hégémone américain, qui va avoir beaucoup de mal à se remettre. Alors bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques étaient les premiers à nous apporter du soutien logistique. Il n'y avait pas que, mais je parle du plateau de guerre. Qui pourrait être l'équivalent des Britanniques pour soutenir logistiquement une possible résistance? Parce que moi, je suis désolé, hein, messieurs, je mets les pieds dans le plat. Pour moi, nous ne pouvons être qu'une résistance. Je suis désolé, hein, je vais avoir l'air nihiliste ou excessif ou caricatural, mais je suis désolé, mais je pense que si on attend, on sera rincé. Encore quelques années, c'est terminé. On en parlait d'ailleurs avant que vous n'arriviez, Alexis. Peut-être Didier voudra en parler lui-même. Tu choisis Didier, mais enfin, on parlait quand même de ce que je pense être, moi, une ingénierie manipulatoire, celle qui consiste à organiser la submersion migratoire, hein, pour que ceux qui râlent passent pour des fachos, alors qu'en fait, on n'est pas forcément contre l'immigration. On dit juste qu'il y a un stade où c'est plus gérable. Bon, alors là, moi, par exemple, mon postulat, c'est de dire on nous casse les tibias d'un point de vue identité, et pas que d'un point de vue souveraineté avec le droit et le légalisme. Vous voyez, on submerge le pays avec ce qui devient, partiellement, bien sûr, pas tous, bien sûr, mais partiellement, une espèce d'armée de l'ombre, quoi, hein, de gens qui, en arrivant, n'ont pas du tout envie de s'intégrer dans notre schéma culturel et qui pourraient profiter d'une possible vague insurrectionnelle pour imposer leur logique. Et c'est pour ça que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je pense que, ne serait-ce que pour cette raison-là, il risque d'être trop tard dans 10 ou 20 ans. Alors, ça, c'est la démographie, effectivement. Avec laquelle ils ont l'air de jouer, oui. On est vraiment pas les meilleurs. Les pays européens sont en train de mourir, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour ce qui est de la vision migratoire, clairement, oui, c'est un projet de... Puis regardez la Corée du Sud, c'est une réussite de l'Empire américain. 0,58 enfants par femme, c'est bon, dans 40 ans, c'est terminé, quoi. Voilà un pays qui est totalement... Vous regardez parfois les séries sur Netflix coréennes? Je veux dire, quand un mec fantasme sur une bagnole, en Corée, on voit toujours une Mustang américaine, quoi. Ils font les films comme s'ils étaient américains, quoi. Bon, eux, ça y est, c'est colonie culturelle, c'est terminé. À mon avis, c'est une des raisons de fond pour lesquelles ils font plus d'enfants. Donc, si vous voulez, je vous dis ça parce que je crois que l'arme démographique est la pire des ingénieries, qu'elle nous pend au nez et qu'elle est en train de fonctionner. Mais bien sûr, elle fonctionne à plein régime. Aujourd'hui, les pays occidentaux sont en train de mourir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toute la logique de l'immigration est nécessaire pour le travail, pour le remplacement, pour les retraites, etc. En disant, mais oui, mais vous n'êtes pas capable. Avec, en plus, un discours extrêmement culpabilisant sur l'angoisse climatique, sur pourquoi faire des enfants si le monde est si pourri. Personne ne se pose cette question-là dans le monde, hein, à part les Occidentaux gâtés qui regardent Netflix, quoi. Mais sinon, c'est des questions qui ne touchent pas le cerveau de l'humanité. Non mais absolument, et d'ailleurs, excusez-moi, dernière remarque Alexis, pour que vous compreniez bien l'enjeu, hein. Je rappelle souvent à mes amis gauchistes, hein, sur nos petits fights qu'on a en ligne, je leur dis, les gars, vous n'avez pas lu le livre 1 du Capital, hein. C'est Karl Marx lui-même qui avait prophétisé ce qui n'est pas donc simplement le sujet du réservoir de main-d'œuvre par les chômeurs, non, il avait prophétisé la main-d'œuvre de remplacement. Donc il avait théorisé le grand remplacement bien avant. C'est-à-dire que le patronat a intérêt à avoir des gens qui sont désidentarisés, déracinés, parce qu'ils ne se battent plus pour l'héritage de leurs prédécesseurs du point de vue des luttes sociales. Ils sont trop préoccupés à survivre. Donc on les met tous en concurrence, ils vivent sous les ponts, il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Alors je vous dis ça juste pour dire, voilà, il y a urgence. Il y a urgence. Alors pardon, hein, mes arguments et idéologiquement n'est pas pareil. Mais je veux dire qu'il y a une telle urgence que moi, mon sujet en ce moment, c'est de dire non, on ne peut pas se la couler douce et continuer on ne se la coule pas douce d'ailleurs, mais enfin, le diagnostic et l'attentisme ne me semblent même plus une option et je me permets d'être le porte-voix de pas mal de gens sur ce space qui le pensent, hein, parce qu'ils m'envoient des messages en ce sens tous les jours. Fred, alors, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, je vais laisser parler parce que j'en ai déjà parlé, moi, mais... je disais à Alexis, pour que le projet, on a vu que dans tous les phénomènes migratoires de l'époque moderne, à un moment, les gens qui venaient d'autres continents ont complètement adhéré, même s'ils n'avaient pas les mêmes valeurs, pas la même religion, il y en avait qui étaient animistes, etc., parce qu'il y avait un projet. Ce projet était facteur d'épanouissement économique, social, etc., et ça fondait une société.
c'est ça le on, si on, on mais les mondialistes l'ont compris, mon cher Didier. Attends, l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'aborder cette question, et c'est pas faux non plus. Je dis l'erreur parce que c'est une explication qui est nécessaire mais pas suffisante, de l'expliquer par les chiffres. Oui, on n'est qu'au début des processus migratoires. On sait que les migrations, elles seront, pour tout ce qu'on a dit, l'ingénierie, mais aussi elles seront économiques, sociales, politiques, peut-être climatiques, etc., etc., les guerres. Bon. Donc, on est au début de ce processus. Mais si on n'a pas de projet, nous-mêmes, on ne pourra pas fondre les gens ou les faire participer, et on aura toujours ce problème d'État dans l'État, puisqu'on n'a pas de projet fédérateur. Voilà, d'où la question pour Alexis et toi, et après vous aurez des échanges avec le Space. Comment on s'y prend pour écrire un projet qui fonctionne? Parce que les mondialistes ont compris hein, que le projet, ça pouvait être ça leur faiblesse, si on avait un projet plus fort que le leur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils encouragent tout ce qui est la sexualisation de l'enfance, le trans, machin, etc. Parce que comme ça, les nouveaux arrivants se disent « Mais c'est quoi cette population de dépravés dysfonctionnels hein ?» Parce qu'il faut bien comprendre que c'est ce qu'ils voient comme projet de société. Hein. Ils se disent « Ils ont plus de couilles, ils ont plus de courage, et en plus, ils laissent leurs enfants rentrer dans des espèces de logiques de lobby pro-légalisation, la pédophilie. » Non, mais excusez-moi de le dire, hein, mais je pense que les mondialistes ont parfaitement joué leur partie d'échec. Je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on est au pic du wokisme. Ça peut pas aller plus loin. Il y a un rejet de plein de thèses. Et ça, il y a plein de littérature en ce moment qui sont en train de dire que ça allait trop loin et ça n'ira pas plus loin. Et donc, je pense que là, comme le Covid, ça a été une erreur hein, de vouloir aller trop vite sur le contrôle des populations, le crédit social. Tous ces tests ont fonctionné en tant que tests, mais ils ont aussi immunisé la population par rapport à ce qu'était un État autoritaire faussement sanitaire, quoi. Donc il y a eu deux, trois erreurs assez énormes qui font qu'il y a juste quelques mois, quelques années d'attente, mais le projet reste le même. Mais ce n'est pas un projet qui va fédérer. Les projets aujourd'hui qui fédèrent au XXIe siècle, ils sont très simples, hein, c'est les religions. C'est tout. Absolument. C'est tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se reconnaissent en tant que communauté, sont prêts à agir, vont se défendre, vont faire des blocs d'action, d'entraide, etc. C'est, et d'ailleurs, c'est Malraux qui le disait, hein, le XXIe siècle sera religieux ou il ne sera pas. Eh ben, il est clairement totalement religieux, ce siècle. Et c'est que le début. Et donc, la seule question, c'est est-ce que la machine, avec l'intelligence artificielle, va créer une nouvelle religion ou va même inventer de nouveaux dieux? Je la vois mal, la machine, en tout cas, combler notre déficit de spiritualité. Non, mais tu vois, ce que dit Alexis, la religion n'est pas la spiritualité. Et le problème, notamment de Zemmour, l'erreur qu'il a faite dans sa campagne, et qui est encore aujourd'hui actualisée, parfois pour de l'ingénierie, ce que disait Alexis, parfois de pure bonne foi hein, de la part des gens. Ah ouais. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand on regarde la question démographique, le petit blanc catholique qui va à l'église, il n'est pas majoritaire aujourd'hui. Fonder une politique, mais comme c'est le plus petit dénominateur commun, comme dit Alexis, il faut une religion, il faut un totem. Comme on n'a plus de tabou, pour reprendre Freud, il nous faut un totem. Et le totem, c'est le totem religieux. Oui, ça ne sera pas la République, on est d'accord? Ça ne sera pas la République aujourd'hui. La République, c'est un cadre. Ce n'est qu'un cadre. Non, mais je plaisantais un petit peu parce que bon, on est parfois taxé de religion républicaine, ce qui est un non-sens. Non, mais pourquoi la gauche a un problème? Et pourquoi la droite a un problème? La gauche a un problème parce que la République laïque, égalitaire, liberté, égalité, fraternité, a failli, n'est plus dans sa promesse initiale. Bon. La droite fait erreur parce que le monde sur lequel elle se recentre, et elle se bat pour même au niveau européen, les valeurs chrétiennes de l'Europe, etc., ça parle à de moins en moins de monde, et surtout en France. Donc on voit bien que tout derrière quoi on faisait corps, on faisait nation, on se rassemblait avec une forme de spiritualité, parce qu'il y a une spiritualité de la nation. Oui, je voulais dire, moi, transcendance collective, hein, excusez-moi. Ben oui, mais ce n'est pas simplement l'addition des citoyens. Bien sûr. C'est l'addition des citoyens plus l'entité qui est créée, qui est un peu mystérieuse, qui fait qu'on se sent français, qu'on chiale quand on est à Hong Kong et qu'on entend la Marseillaise. Bon,
Ça, c'est assez mystérieux. On pourrait parler du sens du sacré, d'ailleurs. Mais voilà, ouais. C'est exactement ça. C'était le but. Donc, aujourd'hui, quelle est la nouvelle, je vais être un peu provocateur, quelle est la nouvelle religion, même si elle est a-religieuse, qui pourrait faire sens? Quelle est l'entité spirituelle qui va faire qu'on va mourir pour? On ne veut pas mourir pour Zelensky, on ne veut pas mourir pour Macron, on ne veut pas mourir pour l'Europe, on ne veut pas mourir pour Dieu, et on ne veut pas mourir pour la République. Alors, pourquoi on a envie de vivre? Merci, c'est ma question. C'est ma question. Et ça rentre donc dans le cadre de cette question générale sur l'action, l'aspiration collective, mettre en branle, justement, que ce soit politiquement et pas forcément dans la radicalité, une forme de cohésion, de coalition capable de verticaliser le combat. Je vois celle de questions peut-être qui font presque appel à de la pensée magique, mais en gros, s'il y a du monde là sur le space, c'est pour essayer de comprendre comment vous envisagez-vous une possibilité de cohésion. Où est-ce que vous identifiez une, ne serait-ce qu'une source d'espoir qui pourrait nous mener à l'action? L'espoir, il est vital, en fait. C'est l'action, elle est déjà là. Mais la question, en fait, quand tu dis quelle action, c'est-à-dire qu'on est éparpillé. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est un catalyseur. C'est quelque chose qui fait que toutes ces énergies, toutes ces actions qui sont nécessaires, qui sont indispensables, arrivent à se retrouver dans un projet commun, dans un creuset commun, dans une action qui est plus large, parce que justement, on se heurte systématiquement à des murs, à des silos, et on le voit bien, ne serait-ce qu'avec le camp souverainiste, la difficulté qu'est de faire un agrégat, rien que là. Donc c'est la clé, elle est là. Et pour moi, pour débloquer ça, c'est d'abord médiatique, c'est donc créer une émulation et arriver à se parler, comme on le fait là, sur plusieurs médias indépendants, sur plusieurs plateformes, et être capable d'organiser ensuite les rencontres. Ça me paraît important. Donc le physique est évidemment clé dans l'affaire. Et puis après, c'est la construction, évidemment, du projet dans le cadre politique actuel, même si on sait qu'il est extrêmement limité et qu'il est. Mais ça permettra de montrer la limite, justement, et de dire on va donc pouvoir dépasser. Aujourd'hui, pour moi, l'action, elle doit s'inscrire dans un cadre politique et médiatique, puisque sur le culturel, je pense qu'on a déjà en partie gagné. Mais seulement à la marge. On n'est pas encore sur la grande victoire. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que l'Union européenne est vue comme une force de progrès. Qui protège, qui défend les frontières, qui fait que la société va mieux, avec de meilleures mesures sociales, etc. Ouais, mais je peux vous présenter un nombre incalculable de pseudo-souverainistes qui considèrent que c'est trop tôt pour sortir de l'Europe, quoi. Ils sont terrifiés à cette idée, malgré tout. Il n'y a pas à être terrifié. Moi, j'en ai ras-le-bol, en fait, des gens qui ont peur de leur ombre, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de le faire, parce que les marchés, parce que les agences de notation, parce que BlackRock. Bien sûr. Mais la question, c'est de savoir comment on fait pour les convaincre. Mais on n'a pas besoin de les convaincre, on les dégage. C'est le grand ménage. Ok, donc là ça apparaît plus clairement. C'est-à-dire qu'il y a bien une force politique qui doit émerger, qui est autonome, et qui fait fi de... Voilà, donc c'est un peu comme la résistance, quoi. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir tout le monde, mais au moins il y a un noyau dur... Bien sûr que non, et après tu peux garder des technos pour gérer deux, trois trucs, mais les politiques aujourd'hui sont dangereux et inutiles. Voilà. Je suis désolé, il n'y en a pas un qui est capable de prendre réellement le courage, et Chirac l'a dit, Mitterrand l'a dit, en fait, c'est les marchés qui décident. On a perdu le pouvoir en 78, quelque chose comme ça, et depuis, personne n'a voulu le reprendre. Au contraire, tout a été de l'ordre de la dissolution en disant, on va se démerder avec l'Europe, on peut grappiller encore quelques années pour faire semblant. C'est ça. Et même Chirac explique qu'il peut faire ce qu'il veut. À la fin, c'est pas lui qui décide. Alors, imaginez Macron qui n'est même pas là pour faire semblant. Alors là, on a pris cher, évidemment, puisqu'il fallait aller encore plus vite. Donc le seul moyen de changer vraiment le paradigme, mais tu peux pas avoir, puisque t'as affaire au peuple des pantoufles, hein, des gens qui vont avoir systématiquement peur. Il y a des mecs qui ont eu peur d'un virus qui se faisait des auto-attestations pour sortir de chez eux. Donc imagine... Ce qui était d'ailleurs l'objet de l'expérimentation et apporter une preuve de la faisabilité de la chose. On est un pays de peureux, de vieux et de peureux. Et ça ne changera pas. Alors, et les gens qui sont au pouvoir sont des lâches. Donc c'est raccord, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc tu ne fais rien avec un pays comme ça en vrai. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec le fait qu'il faut des résistants, qu'il faut des groupes d'action bien séparés et puis ensuite essayer de provoquer. Mais aujourd'hui,
politiquement de ce pays, tu n'en feras rien. C'est des peureux, c'est des castors, c'est ce que tu veux. C'est des gens qui iront systématiquement à l'abattoir. Alors, il nous reste 10-15 minutes avant qu'on puisse avoir des questions-réponses avec le public, si vous êtes d'accord. Moi, je voudrais simplement savoir si, Alexis, vous êtes d'accord avec cette idée de Didier, que lorsqu'une idée est suffisamment puissante et claire, un peu comme le dit Victor Hugo, de rien n'arrête une idée dont l'heure est venue, je ne sais plus exactement la citation. Est-ce que, voilà, et donc, est-ce que vous avez un pressentiment de cette idée, ou du moins des éléments, ne serait-ce que au travers de 2-3 éléments clés, de ce que pourrait être le programme suffisamment transpartisan, suffisamment en tout cas intelligent, je sais pas moi, voilà, qui pourrait consolider, coaliser, coaguler, comme on dit souvent, une émergence capable de prendre le pouvoir. Est-ce que vous y croyez d'abord, et est-ce que vous avez commencé ne serait-ce qu'à identifier ça, cette piste? Oui, bien sûr. Ouais. Mais moi, j'y crois. Je pense que c'est, quand je parle de catalyseur, c'est ça. C'est qu'à un moment, toutes les idées sont déjà là. Ce n'est pas compliqué d'aller les compiler et de dire, écoutez, on va faire un programme et on ne va pas se taper la tête sur des idéologies qui sont là pour justement limiter l'action et organiser le champ politique en boutique. Parce que le problème est là, c'est qu'à un moment, les gens arrêtent et ils font semblant ou ils vont être dans leur rôle et puis chacun chez soi et le peuple est bien gardé. Donc il faut dépasser ça. Alors justement, pour le dépasser d'un point de vue médiatique, vous êtes prêt, vous, à inviter plus souvent des gens qui ne sont pas de votre camp idéologique, des mecs comme moi et d'autres, comme ça. Là, vous êtes là, vous donnez exemple. Mais est-ce que vous pensez que ça, par exemple, c'est une des pistes, c'est-à-dire de montrer que le malentendu idéologique, si j'ose dire, fait partie de notre confrontation naturelle à l'altérité et qu'il va falloir faire avec et qu'on doit avoir une force qui transcende tout ça. Ça vous semble jouable et vous pensez pouvoir être acteur de ça, de cette nouvelle puissance médiatique? Je vais te dire, je le suis. D'ailleurs, ce qui a emmerdé Libération, qui a tout de suite tiré mon portrait en disant « Mais qu'est-ce qu'il fout ?»« C'est, oh là là, mais attends, il est de gauche, mais il parle à des gens de droite, il va sur des médias de droite, attends. » Et tout de suite, c'était « Idiot utile de l'extrême droite ou influenceur insoumis. » Voilà l'article de Libé, parce que là, on a affaire vraiment à la presse 100% castor. Là, t'es bien, t'es sûr, c'est du béton. Donc les mecs, tout de suite, ont réagi comme des anticorps en disant « Ah là là, attention, il est en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. » Et il y a le terme « rouge-brun » pour mettre. Fort heureusement, plus personne ne les lit. Voilà. Mais c'est très révélateur qu'on parle toujours d'eux, néanmoins. C'est la preuve que c'est bien une ingénierie sociale, quoi. Ils pèsent pas grand-chose, ils sont hyper subventionnés, mais on parle toujours d'eux, quoi. C'est incroyable. Ce truc-là, moi, tous mes potes, Sogdem, etc., ils te ressortent l'article en disant « Alex, t'as déconné quand même, fais gaffe, tu te rends compte, Libé. » Les mecs ont peur, donc ça marche. C'est le clergé de la bien-pensance. Mais quoi. Bien sûr, donc si jamais t'es mis sur la place publique en disant « Oh là là, il a une pancarte infamante aux yeux des bourgeois », alors là, ça marche, mais à 100% pour les bourgeois. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Et ça me fait plutôt marrer. Et d'ailleurs, ils ne comprenaient pas quand ils ont fait mon interview, je leur disais tout sans vouloir cacher quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas cité le nom, mais pour les médias bourgeois, moi, j'ai des animateurs télé très connus qui m'appellent. Bon, ils sont bien servis en général, ils pensent que je suis dingue. Et des patrons de médias qui font courir le bruit, que j'ai. Leur grand mot, c'est « tu as vrillé ». J'ai vrillé. Moi, je n'ai pas vrillé. Je leur ai dit simplement « moi, je fais mon métier ». Et il y a eu un train qui est passé, qui était celui des Gilets jaunes. Je suis monté dedans, quoi, parce que c'est un train de l'histoire. Il n'était pas question que je n'y monte pas. C'est ni bien, ni pas bien. C'est vital. C'est indispensable. Donc voilà, et c'est vrai qu'il faut, ça c'est très important, accepter, et avec Alexis, je pense qu'on en est des vivants exemples, je ne sais pas si on restera vivant longtemps, ou des vivants piliers, j'espère. On a refusé de se compromettre et on a renoncé du coup à beaucoup de choses, ouais. À de l'argent, à des honneurs, à une présence médiatique plus forte, à être dans la société. Moi, j'avais un terrain tout tracé. Moi, il suffisait que je mette un peu d'eau dans mon vin, 2 centilitres dans mes 15 centilitres, c'était bon. Mais étant en avant-garde d'un point de vue médiatique de ce qui ressemble à une forme de dissidence, est-ce que vous êtes sollicité par des réseaux de résistants qui commencent, alors sans rentrer dans les détails confidentiels, mais est-ce que vous êtes clairement des figures de proue. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a une effervescence en ce sens? Est-ce que oui ou non, on vous contacte en ce sens, y compris peut-être même des militaires, etc. Moi, je vous le dis, hein, je suis contacté par des militaires. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais bien sûr, moi, je parle à beaucoup de gens de plein
d'horizons différents, il y a effectivement une ébullition. C'est pour ça que je parle de moments pré-révolutionnaires, parce que c'est les gens réfléchissent. Là où avant il n'y avait pas forcément besoin de cette réflexion et donc de cette action aussi, et donc l'envie aussi de changer les choses, c'était pas le cas. Aujourd'hui c'est le cas, et c'est ça qu'il faut mettre en avant et faire de ces clubs révolutionnaires des partis ou un parti. Je vais peut-être vous poser une question complètement délirante, excusez-moi, mais est-ce que vous iriez en tant que figure de proue médiatique grandissante, en phase de croissance, je pense que vous avez des croissances à deux chiffres de vos audiences, on le voit. Est-ce que vous iriez à un moment donné, quand vous sentirez que le vent est en train de tourner, vous feriez partie de ceux qui, un peu comme De Gaulle avec sa radio, qui commenceraient à dire « Les gars, le moment est venu !» Est-ce que vous sentez que c'est ça votre vocation et qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre ce risque ultime? Parce qu'après, toute la pression va vous tomber dessus. On voit bien d'ailleurs qu'ils cherchent à vous émasculer en ce moment, pour cette raison-là. Non, clair. Vas-y Alexis. Bah, la pression, elle est déjà là. Hein. Je disais Didier sur le fait qu'on est. Faut voir le degré de trolling, de surveillance, de pression qu'on peut avoir. Qui est réel. Moi, ça me fait marrer, puisqu'on est en liberté surveillée, de toute façon. C'est pour ça qu'il faut jouer avec les règles. Il faut être très malin et être plutôt judoka qu'autre chose. Mais je le dis maintenant, j'utilise l'humour, mais ce n'est pas de l'humour. Je dis toutes les semaines, comme Édouard Philippe, que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. C'est de l'ironie voltairienne, vous avez raison, merci, c'est un hommage à la culture française. C'est juste que, je vais le dire toutes les semaines, à la fin, ah, mais Poulain a dit qu'il était candidat. Ben oui, je suis candidat, ouais. Donc on va s'organiser, et je suis candidat, je le dis, à l'élection présidentielle de 2027. Attendez, Alexis, imaginons un truc. 10 000 influenceurs se mettent d'accord et lancent le message en... Vous vous rappelez quand même comment ont commencé les Gilets jaunes? Un ou deux influenceurs ont poussé une gueulante dans les réseaux et ça a mis des gens dans la rue, c'était la flamèche. Et imaginez qu'il n'y ait pas seulement vous, pas seulement Didier, pas les gens de ce space, moi, etc., mais qu'on soit en fait 100, 200, peut-être 1000, 10 000. Vous pensez qu'on pourrait se synchroniser pour créer la bombe atomique qui partirait des réseaux sociaux et qui donnerait une putain de bonne leçon à l'humanité en marquant ce jour d'une pierre blanche? Vous pensez que ça peut arriver, ça? Non, mais oui et non. Parce que ce n'est pas une science exacte. Parce que je te disais, moi, ouais. Je sépare ce qui est de l'ordre, de l'actif, de la volonté, de la raison, de la construction, de l'édification, de l'accident, de l'impromptu, de la flamèche. Mais vous pourriez être la flamèche. Non mais, on va le faire. Et puis d'abord... Écoute-moi. Ouais. On le fait tout le temps, tous les jours, avec la finesse, j'espère, qui convient, parce qu'il faut être fin. Tu ne peux pas le faire comme un bourrin, parce que sinon on te débranche. Mais moi, je pense pas une seule seconde que ça soit bourrin. Au contraire, je pense que ça exige beaucoup de subtilité et de finesse. Mais c'est une synchronisation. Mais c'est pas parce que tu vas avoir un discours construit, que tu vas mettre des ateliers de constituants partout, que tu vas faire un réseau chez les militaires, chez les policiers. Non, mais déjà, si tu commençais à avoir suffisamment de manifs pour qu'on bloque même les approvisionnements et les usines d'essence, etc. Je suis désolé, la France, tu peux vraiment la bloquer, quoi, hein, avec un peu d'aplomb. En théorie, mais si tu n'as pas l'élément, à un moment c'est un peu, c'est compliqué, hein, parce que c'est dans l'air, tu ne sais pas pourquoi, qui va faire que tu vas bloquer vraiment les choses, ça ne marche pas. Tu penses pas que c'est pas déjà dans l'air là? Que tout ce qui manque en fait, c'est qu'on ait là à la fois un bloc de gauche et un bloc de droite qui se synchronisent, mais là vous pouvez mettre, les gars, quelques centaines d'influenceurs qui feraient l'effort de se synchroniser, je pense que ça peut mettre 20 millions de personnes dans la rue, quoi. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et je ne dis mais pas. Pourquoi tu veux la rue? Attends, moi c'est pas la rue. Je n'essaye pas. Parce qu'il nous reste que les manifs pour le moment, si on veut l'éviter. Non, moi je suis pas d'accord. Je dis pas qu'il faut pas le faire et je ne dis pas qu'on s'y essaye pas. Et pourquoi la rue d'ailleurs? Oui, bon. Mais les gilets jaunes, ça a failli marcher. Oui, mais parce que les gilets jaunes, ça a correspondu à un moment. Et qu'il y a quelque chose qui a catalysé, qui a pris, qui a dépassé la simple organisation. Parce que si on était mieux organisé dans les Gilets jaunes, ça ne serait pas terminé comme ça. On n'avait même pas conscience. Mais toi-même, Didier, dans tes postes, tu nous dis on a retenu tout un tas de leçons, on va pouvoir les mettre en œuvre. Oui, je te dis qu'on va le faire et qu'on est déjà en train de l'expérimenter, de le faire, etc. Je te dis simplement. T'as l'air de dire qu'en fait, vous ne pourrez pas le décider, quoi. Il faudra quand même... Non, on ne peut pas le décider. Mmh. En fait... Non, mais c'est instructif. Hein, je veux bien... En fait, il y a un moment,
il faut l'identifier et tu vois bien qu'il y a effectivement une étincelle, un truc, et c'est ce moment-là qu'il faut prendre en compte pour agir. Voilà. Mais c'est pas toi qui crée ce moment, en fait. C'est-à-dire qu'à... Enfin, non, mais alors, t'as compris, je suis pas dans un jeu où... J'ai bien dit, beaucoup de gens en même temps se synchronisent et utilisent la puissance, évidemment, d'amplification et de viralisation, de contagion des réseaux sociaux pour faire à la puissance 1000 ce qui avait été fait par deux femmes au début des Gilets jaunes. Attention, la leçon a été apprise. Aujourd'hui, 90% de l'effort des gouvernements et du renseignement, c'est contrôler les réseaux sociaux, hein, pour éviter justement que ça n'arrive. Et ça va aller en s'aggravant. C'est peut-être pour ça que je suis un peu pressé, d'ailleurs. Regarde ce qui s'est passé avec les émeutes de juin. Ils ont tout de suite obligé TikTok à fermer, Snapchat à fermer. Enfin, du moins, ils ont censuré les contenus. Hop, hop, ni vu ni connu. C'était très, très vite vu. Le Covid, on n'en parle même pas, c'était un scandale. Donc aujourd'hui, c'est ça. Si jamais se recrée une situation comme les Gilets jaunes, c'est-à-dire un moment que ni les politiques ni les syndicats n'ont vu venir, où le peuple dit simplement stop et allez tous manger vos mères, ben là, ils auront tout ce qu'il faut pour appuyer sur les boutons pour dire que ça n'arrive pas. Bon, messieurs, vous êtes vraiment d'excellents maîtres à penser. Pardon de vous avoir un petit tiré avec mes questions emmerdantes et c'était des cris du cœur. C'est super important parce que ouais. Pour moi, c'est pas la rue. La clé, c'est le pouvoir. Ah ça, moi, je dis pas le contraire. Ouais. Mais quand même, t'envoies un signal au reste du monde et à tous les autres pays européens qui considèrent la France comme un phare dans l'humanité, le jour où t'as 10 ou 20 millions de personnes dans la rue et que contrairement à ce qui s'est passé pendant la jacquerie des Gilets jaunes, on aurait un plan. Et c'est bien l'idée de Didier, moi, qui m'a séduit. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord pour passer aux questions-réponses maintenant? Et comme ça, vous répondez ensemble aux questions-réponses. Il y a plusieurs personnes qui voulaient monter. Les amis, faites pas des exposés dans les questions. Posez des questions, même développées, mais pas des exposés longs, s'il vous plaît. Il y a Myriam, honneur aux dames, qui voulait poser une question. Elle m'envoie des messages en me disant « Fred, laisse-moi monter !» Mais je te laisse monter. Bienvenue à toi. J'espère que d'autres personnes vont monter. Et je préviens, pas de troll ce soir. Hein, donc si on se connaît pas, vous montrez pas. Voilà. Oui, alors moi j'avais une question pertinente, même gênante, mais je vais quand même la poser parce que ça me tarabuste. Comment on va faire pour lutter contre 160 000 francs-maçons qui sont gangrénés partout, dans la justice, dans les journalismes, partout? On fait comment? Parce qu'ils font un bloc, ils ne se mangent pas le foie entre eux. Donc on va faire comment pour lutter contre ces gens? Voilà ma question. Alors, ça, c'est le socle républicain. Hein. C'est aujourd'hui, effectivement, ce qui fait qu'il y a une entente, le jeu des partis, enfin, c'est le charme discret de la bourgeoisie, on va dire. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un pouvoir réel, justement, de syndication, de travail là-dessus. Enfin, pour ce que je connais de la maçonnerie, c'est quand même c'est vieillissant là aussi. C'est des obédiences qui ne sont pas les unes d'accord avec les autres. Enfin, c'est pas la même chose que la Troisième République. Hein. On n'est pas quand même sur un même degré d'imbrication entre le pouvoir et les loges. Oui, moi je dirais bon que on exagère aujourd'hui l'importance de la maçonnerie. Moi, je peux en parler librement parce que j'ai fait un live Facebook un jour, les gens m'emmerdaient avec ça, j'ai dit que j'avais été franc-maçon au Grand Orient de France d'ailleurs et que j'ai quitté pour des raisons d'affairisme, etc. Parce que c'est devenu un club bourgeois, quoi. Hein. Finalement, tu payes ta capitation pour parler du sexe des anges et il n'y a plus vraiment de prise sur la société. Hein. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, ça c'est vrai. Après, est-ce qu'il y a encore des cooptations et des excuses? Une justice qui serait plus favorable en cas d'affairisme, etc. Ça, oui, ça, il faut le reconnaître. C'est un vrai problème. Après, pour relativiser, on a vu quand même, on parlait tout à l'heure du faible niveau de la police et d'un certain nombre de violences d'État, et donc de violences policières qu'on a tous constatées pendant les Gilets jaunes. C'est un bon exemple, parce que, par exemple, chez les policiers, c'est sans doute la corporation où il y a le plus de francs-maçons. Ça ne les a pas empêchés d'être violents, à la solde de Macron, etc., etc. Donc, moi, je mettrais un gros bémol sur le sujet. Aujourd'hui, le pouvoir, il est plus dans les cabinets de conseil
de manière exponentielle. Hein. Un cabinet de conseil comme McKinsey a 1000 fois plus de pouvoir qu'une obédience ou qu'une loge maçonnique. Hein. C'est plus la Troisième République. Puis sans parler de la puissance de feu des GAFAM, hein, qui sont du côté des... Bien sûr. Mais ça marche avec, oui, c'est parce que c'est des gens qui font des parcours. Le cabinet de conseil, c'est la case obligée. Et puis après, tu as la banque d'affaires, tu as le cabinet ministériel, voilà. Tu as le GAFAM, etc. Tu fais un petit tour, tu pars à l'étranger, tu reviens. On a affaire, voilà les profils actuels. Donc le réseau, il est là aujourd'hui, le réseau de pouvoir. Exactement. Eh ben, je te remercie, Alexis. Je te remercie, Didier. Alors, dans l'ordre des gens qui voulaient monter et poser des questions, il y avait Romain. Je descends pour laisser la place aux autres. C'est adorable, Myriam. T'es un amour. On passe la parole à Romain, s'il est dispo. Sinon, c'était Amélie. Ensuite, je voyais qu'il y avait Michel. Michel Le. Romain, tu es là? C'est bon? Ensuite, ça sera Michel, puis Amélie. Bonsoir, mon cher Frédéric. Bonsoir, Mako, tous les amis. Et je salue Alexis Poulain et Didi Maisto. Juste pour les remercier pour leur qualité de leur travail. Merci. Et je peux vous dire qu'en fait, à force d'écouter des gens avec qui on est en proximité, qu'on soit de gauche ou de droite, moi, à titre personnel, je suis souverainiste. Donc, il y a des gens qui me qualifient de gauche lorsque j'ai des positionnements sociaux. Et que lorsque j'ai des positionnements concernant la sécurité, les gens pensent que je suis d'extrême droite. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Alors, j'avais à la fois une remarque qui peut aussi prolonger le débat et qui est aussi, en même temps, une question. Je pense que vu la situation dans laquelle se trouve le pays, je pense que la problématique centrale, pour moi, avant de prendre toute décision, elle est celui du changement des hommes, et je pense profondément que ça doit commencer par là, mais on ne maîtrise pas tout, et là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça passe aussi, on est aussi tributaire finalement de ce qu'on appellerait les circonstances. Je reprends la formule de Max Gallo, qui disait qu'en fait, l'actualité, c'est l'histoire au présent, et donc du coup, on ne sait pas exactement comment les choses peuvent évoluer. Moi, à titre personnel, avant toute prise de décision, dont la base de la souveraineté, je rappelle les principes de Jean Bodin, battre monnaie, faire la loi, rendre la justice et décider de la guerre et de la paix, je pense que le redressement de la France passera par là. Ma dernière observation, et j'en termine pour ne pas être trop long, je pense néanmoins que avant toute prise de décision et de décision politique, et je suis d'accord avec ce que disait Didier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut en passer par des décisions et hiérarchiser les tâches et prioriser, je pense qu'il faut trouver 500 personnes, je pense qu'il y a 500 personnes en France aujourd'hui qui sont capables de gérer le pays, c'est-à-dire quelqu'un qui serait un équivalent, grosso modo, d'un président de la République. En fait, pour gouverner un pays, il faut un président, un premier ministre, des ministres, des chefs, des directeurs d'administration et des directeurs d'entreprises publiques pour pouvoir gouverner le pays. Et je pense que l'idée, c'est de trouver ces 500 personnes qui sont toutes animées par l'amour de la France et le sens de l'intérêt général. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Donc, une réaction, messieurs. Enfin, n'oublions pas l'état profond, quand même. Hein. Non, mais ça, tu vois, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Oui, mais il faut se débarrasser des deux branches. Je suis d'accord. D'ailleurs, Marie-France Garraud, dans ces dernières années, avait parlé des problématiques de l'état profond, de la technocratie qui s'est développée à partir de Giscard. Non, mais ça, c'est un point clé. On n'en a pas parlé, donc ça me donne l'occasion. Les belles idées, si elles ne sont pas incarnées, elles restent des idées. C'est-à-dire, elles restent rangées dans des livres, dans des rapports, et elles ne s'incarnent pas. Donc, effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il faut éliminer les gens qui ont eu des responsabilités, qui sont encore aux affaires, parce que de toute façon, d'abord, ils ont fauté, et deuxièmement, ils seront toujours suspectés par le peuple. Tu ne peux pas mettre un mec qui était devant en disant « non, mais il a changé », etc., parce que tu vas avoir au moins 50% d'opposition, quoi. Des gens qui n'en voudront pas. Donc oui, je pense qu'il faut des hommes, alors c'est toujours pareil, hein, c'est pas une science exacte, on peut se planter, hein. C'est comme quand tu gères une entreprise, hein, tu n'es jamais trahi que par ce que tu penses être les meilleurs, hein, en général, donc ça existe dans toute forme d'organisation humaine. Pour autant, il faudra un comité de sélection dont les règles restent à établir. Je pense qu'on peut faire une espèce de QCM éliminatoire déjà, mais oui, avec des gens qui ont à cœur, qui aiment la France, ça me paraît être un bon début. Mais je suis d'accord, il faut identifier des personnes, parce que la France est assez petite, et avec 500 personnes, on gère un pays, ni plus ni moins, quoi. C'est assez fondamental. Non, mais la question qui se pose, c'est comment on fait pour empêcher l'état profond de saboter une transformation institutionnelle.
ça? Ben on le tient dans les distances, on le surveille, on le cornaque, on l'encadre, on sait qui sont ces gens. Enfin voilà, c'est si on fait un casting, c'est une question de casting, l'état profond, c'est simplement ça. Donc à partir du moment où on sait très bien qu'il faut pas reprendre des énarques passés par le Bilderberg pour faire à peu près les mêmes erreurs, bah déjà l'état profond, on lui a mis un sacré. Non, mais j'ai eu ma réponse. Donc, on fait une espèce de purge de tous ces fonctionnaires, on les met au chômage et puis ils vont s'enlever les doigts du cul pour une fois. Ils bosseront comme tous les autres entrepreneurs. Du conflit d'intérêts, bon, il est par exemple, quand tu as fait une école d'administration, par exemple, l'ENA, ben, on doit t'empêcher d'avoir un certain nombre de postes. C'est très facile à faire. Hein. Tu ne peux pas aller pantoufler dans la banque d'affaires, puis devenir... Ça sera dans ton programme d'urgence, Didier. Mais bien sûr, moi j'ai déjà dit 100 fois ça. Tu ne peux pas ensuite être directeur de cabinet, gérer une boîte comme Atos, au hasard, faire une catastrophe, et gérer une boîte encore plus grosse, faire encore une catastrophe, et te verser, avoir une retraite chapeau à 50. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu vas les soumettre à obligation de résultat. Déjà, ça c'est concret. Obligation de résultat et surtout interdiction au départ de pouvoir être juge et partie et de connaître de tout. Bon, par exemple, moi, on a beaucoup parlé, je prends un exemple qui me vient à l'idée, de Villepin. Et il a eu des positions courageuses. Il faut le reconnaître. Mais après, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé en disant il est au service du Qatar. Et bien, moi, j'interdirais par exemple que l'ancien Premier ministre ou qu'un ancien président de la République puisse aller vendre, ou même un simple ministre ou un député, son carnet d'adresse qui est notre patrimoine immatériel. C'est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État qu'on lui délègue notre pouvoir et qu'il a un carnet d'adresse. Tu ne dois pas pouvoir le vendre à une puissance étrangère ou à une entreprise. Parfait. Voilà, etc. Tu vois, c'est des choses très simples. Et je suis d'accord avec toi, il faut criminaliser ce qui peut être apparenté, alors qu'il n'est peut-être pas vraiment un acte de trahison extrême, mais il faut quand même le criminaliser, ou en tout cas s'assurer qu'il ne puisse pas le faire et certainement pas revenir en politique après. Ok, on passe la parole à Michel Galindo, après ça sera Amélie. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir à tous. Oui. Vous avez parlé de beaucoup de choses, je vous ai bien entendu. Moi, ma question était la suivante, c'est par rapport justement à l'Union européenne. Parce que comme vous le savez, actuellement, surtout, enfin depuis déjà pas mal d'années, on met toujours, on dit, oh, ben, en France, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, parce qu'il y a justement des directives de l'Union européenne donc, qui empêchent, même dans notre constitution, de pouvoir faire le nécessaire. Hein. Ma question était la suivante, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe des nations? Est-ce qu'elle est possible? Et du fait de modifier donc, l'Europe, d'en faire vraiment une Europe des nations, permettrait éventuellement après d'avoir justement de bons rapports et peut-être même à certains pays d'être libres ensuite d'adhérer au BRICS tout simplement. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une voie qui serait souhaitable et comment est-ce qu'on peut faire pour justement, moi j'ai ma petite idée hein, pour avoir l'Europe des nations, pour moi elle existe déjà d'ailleurs, mais il faut absolument bien sûr balayer cette Union européenne qui pour moi n'a pas vraiment d'existence. Parce que justement, les pays, finalement, restent encore souverains, alors même s'ils veulent absolument en faire une fédération, hein, on a bien compris que c'était leur... Et que là, il va falloir absolument faire très, très attention à ça, parce que déjà, les directives, au bout de 2 ans, il faut les appliquer dans notre pays, et c'est des fois bah, très contraignant. Hein. Alors, donc, ta question, Michel, en une ligne, pour les... Alors, l'Europe des nations est-elle possible et ça permettrait éventuellement de libérer, justement, déjà... Puis accessoirement, peut-être possible dans un délai raisonnable, je suppose. Ah oui, mais alors, l'Europe des nations, elle est possible. Elle existe déjà en partie, puisque tout se décide quand même avec des chefs d'État qui se mettent d'accord. Le vrai problème, c'est ce machin technocratique qu'est la Commission européenne et puis tout ce qui s'est agrégé autour comme une boursouflure pour ensuite faire des normes, gérer et puis casser tout ce qu'étaient les services publics en fait des grands pays européens. Parce que le calcul stupide de l'Union européenne, c'est de dire que si on est faible,
On va affaiblir tous les pays européens, puis on fera une alliance des faibles et on sera fort. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est stupide, on commence à s'en rendre compte. Les Allemands, je pense, vont partir avant tout le monde. Je pense que après les Anglais, c'est les Allemands qui se barrent. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Ouais, ouais, bah, on est d'accord. Et de toute façon, ils ont compris. Et là, ils ont fait, bon, on va arrêter les frais. Sauf qu'ils veulent récupérer leur bille avant de partir, je pense. Les plus cons, c'est les Français. Nous, je pense que si on ne fait pas effectivement cette révolution... culturel et politique rapidement. On sera les derniers. On sera au bout jusqu'au bout avec des couillons comme Macron qui se recyclent en plus à l'Europe. Donc ouais, elle est souhaitable cette Europe des nations. Mais la question qui se pose fondamentale, c'est ensuite la question de la monnaie. Hein, il y a eu l'euro. L'euro, je pense qu'il va s'arrêter de lui-même. Là aussi, c'est un truc qui est pas viable. Ça va être compliqué. Sauf que aujourd'hui, les Allemands préparent la fin de l'euro, puisque l'euro c'est le marque en gros, donc ils peuvent tout à fait se démerder. Nous, ce serait beaucoup plus compliqué. En revanche, il faut qu'on le prépare. Il faut aujourd'hui qu'on ait des responsables économiques, politiques, qui soient capables de préparer la contingence et même proactivement la sortie, en ayant ensuite un cadre qui protège la monnaie, puisqu'il faut rappeler que l'idée derrière la création de l'euro, c'était d'éviter que les monnaies européennes soient trop faibles par rapport à des Soros qui s'amusaient en fait à jouer avec le cours des monnaies et qui flinguaient des économies très rapidement, puisque le système tel qu'il est aujourd'hui permet de faire ce genre de choses. Mais récupérer la souveraineté monétaire, c'est vraiment la clé en fait. Ça éviterait la dette telle qu'elle est aujourd'hui, ça éviterait le marché européen de l'énergie, qui est une hérésie et une débilité incroyable, et ça recréerait la souveraineté nécessaire. Oui, il faut une Europe des nations. Et derrière, ça veut dire aussi un retour à un ordre monétaire qui n'est pas l'euro. Oui, alors pour rebondir très brièvement, évidemment, la question monétaire, elle est centrale. Parce que quand on a la main sur sa monnaie, effectivement, si à un moment, on décide qu'il faut faire de l'inflation, on fait de l'inflation, ça peut rattraper beaucoup de choses, ça peut annuler des dettes ou en tout cas la diminuer de façon drastique. Et ça met de la souplesse dans l'économie. Et puis je pense qu'on n'a pas bien réfléchi au processus de création de monnaie, parce que nous-mêmes et les banques créent de la monnaie. Je veux dire, quand c'est une banque qui crée les 9 dixièmes de la monnaie. Quand tu fais un chèque, tu crées de la monnaie, par exemple. C'est des processus à la fois simples et complexes. Mais comme on est prisonnier de l'euro et de la Banque Centrale Européenne et des taux, bah, effectivement, comme c'est les marchés qui décident, les agences de notation, à un moment, tu peux appauvrir une économie comme la Grèce ou la sauver. Et donc là, c'est fondamental. Sur l'Europe des nations, d'une certaine manière, il faudrait un peu fonctionner comme le font les BRICS, ils ont bien compris. C'est-à-dire que ce n'est pas une fédération, c'est une confédération, mettons. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont capables de s'unir quand ils ont des intérêts stratégiques communs, qu'ils soient industriels, militaires, économiques, alimentaires, en termes de distribution de l'eau, que sais-je encore, ça peut avoir du sens. C'est la seule chose qui peut fonctionner entre États souverains. Donc une Europe des nations, au-delà du fait que ce soit satisfaisant d'un point de vue intellectuel, sociétal, parce qu'on ne va pas se diluer dans d'autres identités, une espèce de tour de Babel improbable, voilà, ça a tout son sens. Et enfin, je rebondis encore sur ce qu'a fait Alexis sur la revue de presse où on voyait Ursula von der Leyen s'énerver, tenser véritablement le pauvre Orban et l'engueuler, quoi, comme si elle était élue, comme si elle était la présidente de l'Europe. Mais il y a longtemps qu'elle se comporte comme ça. Mais elle s'y croit. Ouais. Mais elle a raison, parce que personne ne lui dit rien. On est à part les Chinois qui ont dit attends, qui tuait va-t'en, les autres dirigeants européens, Macron lui obéit, Mélanie lui obéit, tout le monde l'adore. Donc ces administrations centrales, centralisées sont fortes, parce que le politique est hyper faible, en fait. Je veux dire, à un moment, j'étais chef de l'État français, moi, j'ai Madame Ursula von der Leyen à côté de moi, je dis, attendez, vous parlerez quand je vous donnerai la parole, madame. Hein. Vous êtes
pas élu, vous êtes une fonctionnaire. Donc, et je la mépriserai comme ça. Et je le ferai bien savoir, je le ferai publiquement. Elle ne me le referait pas deux fois, le coup. Et ça, si tu me courbes sans arrêt les chines, c'est aussi une histoire d'homme. Hein. Chirac, on s'en souvient en Israël, « You want me to go back with my plane ?» je veux dire, ça a marqué les gens. Villepin, à la tribune de l'ONU, en disant « C'est au nom d'une vieille nation que je vous parle, etc. » On en parle encore. Hein. C'est souvent une petite histoire de personne, d'avoir le courage de dire ce qu'on est, ce à quoi on croit, à des moments phares, des moments clés de l'histoire de notre. Juste avant de passer la parole à Amélie, je voudrais vous faire réagir. J'ai reçu trois messages qui, en substance, me disent on ne peut pas appliquer un projet de société si on n'a pas d'abord renversé les globalistes. Et si on sort de l'Europe, ce qui alimente évidemment les angoisses de pas mal de gens, on fait l'objet de mesures de rétorsion. Donc est-ce qu'on est capable d'appliquer un projet de société, aussi beau soit-il, dans le contexte actuel de la mondialisation, indépendamment de l'idéologie mondialiste, hein, là je parle de la mondialisation, c'est-à-dire de l'interdépendance de toutes nos économies et des mesures de rétorsion dont on pourrait souffrir. Ça vous semble jouable ? Bullshit, ça. Alors, de ne pas être trop long, mais la mondialisation, c'est une fable. Le fait qu'on est plus fort à plusieurs et qu'il faille vendre ses voitures ou avoir une agriculture intensive et extensive parce que les marchés sont mondialisés. Mais qui peut croire ça dans un pays comme la France ? Un pays de cocagne qui a un territoire extraordinaire, fait de champs, qui a tout. On a plusieurs océans maintenant. Avec la nouvelle notation, la première surface maritime du monde, et on nous fait croire que si on se groupe à faire toujours plus gros, PSA puis Stellantis, etc. Total, on est dans une fuite en avant et Stellantis va être racheté probablement par un Chinois. C'est ça la vérité. Donc small is beautiful. Tout ça, c'est de la fable. D'ailleurs, 98% des entreprises enregistrées au registre du commerce et des sociétés en France, c'est des entreprises de moins de 10 employés. Alors, oui, mais 99% du tissu entrepreneurial en Europe, c'est des PME, des TPE de moins de 10 employés. Voilà. Moi, j'ai travaillé 25 mais ans. C'est ça qui est en train de mourir actuellement. Hein. C'est ça qui est en train de tuer par le prix de l'énergie. 99% des entreprises. À tel point qu'on peut se demander s'il n'y a pas une intentionnalité dans cette volonté de les tuer, en tout cas de les affaiblir. Non, mais il y a une volonté de toutes les mesures depuis le Covid, et même avant, mais ça a été exponentiel, c'est pour favoriser les gros. Et d'ailleurs, quand vous allez n'importe où dans les villes occidentales, c'est toutes les mêmes enseignes. Vous avez une bagnole, c'est la même. Elles ont des diagnostics, il faut des valises diagnostiques. Les garages indépendants ont disparu. Les petites boutiques de fringues indépendantes ont disparu. Les épiceries ont disparu. Donc, on est dans cette course au gigantisme, ce consumérisme, qui nous appauvrit, parce que de toute façon, nous ne pouvons pas lutter, parce que nous sommes des nains à cette échelle-là, par rapport aux États-Unis pour tout ce qui est immatériel et aux Chinois, aux plateformes, pour tout ce qui est industrie, j'en parle même pas, pour tout ce qui est industrie spatiale, automobile, acier. On a décrété que l'acier, ça ne marcherait pas et on a tout vendu à Mittal, bon, etc., etc. Donc, on est en fait dans la, pour moi en tout cas, dans un début de démondialisation. Et les pays qui vont s'en sortir, c'est un peu les pays agressifs et protectionnistes. Alexis parlait de l'Inde, c'est vrai aussi pour les États-Unis, même s'il y a la dédollarisation que Trump a bien compris, c'est un peu un cas particulier, les États-Unis, mais les pays qui protègent leur marché intérieur, qui exportent et qui sont agressifs avec des droits de douane et avec un territoire bien défini, ce sont eux les pays qui tirent leur marron du feu, pas des gens qui s'occupent de la queue des pingouins en Patagonie, quoi. Bon, ben merci beaucoup pour cette réponse énergisante. On passe la parole à Amélie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, désolée d'intervenir puisque je les connais un peu tous les deux. Mais quelle voix douce, ça nous fait du bien. C'est parce que c'est tard. Non, j'avais une question, mais alors juste avant, j'ai entendu une petite réflexion de Alexis en disant que Conspiracy Watch, c'est rien, il ne faut pas en parler. Alors moi, évidemment, j'ai une vision un peu différente parce que
Concrètement, ces gens-là, ils sont au cœur d'une ingénierie sociale et ils sont très, très, très influents, en fait. Alors, évidemment, en termes d'audience, c'est bidon et c'est zéro. Par contre, ils donnent des formations à des plus hautes sphères, notamment au ministère de l'Intérieur. Et tous ces lobbies, en fait, anti-désinformation, etc., tous ces lobbies de fact-checking, etc., ils ont un poids énorme, en fait, dans les institutions publiques aujourd'hui. Et ils sont vraiment au cœur d'une ingénierie sociale, parce que derrière, l'objectif, c'est de dire que tout ce qui relève de la critique des institutions est une désinformation de fait. Et donc, derrière, il y a tout un projet qui consiste à censurer là-dessus. Donc, c'est pas du tout anodin. Je voulais juste apporter cette petite précision, même si je sais qu'Alexis Poulain partage complètement mes idées là-dessus. Alors moi, ils ont pas d'audience, mais ils ont de l'influence auprès des CA. C'est eux qui sont invités à l'Assemblée nationale pour parler de fake news. C'est eux qui sont sur Radio France. C'est eux qui récupèrent le fonds Marianne. Donc pour moi, c'est des commissaires politiques. Hein. Ils sont là pour gérer les réseaux façon shérif, pour tout de suite amener. D'ailleurs, quand on les écoute, c'est drôle parce que leurs émissions, ils passent leur temps à se lamenter des gens comme nous et de l'audience, et pour eux c'est une catastrophe. Ils disent mais vous rendez compte, j'ai vu la dernière. Sur Morio, c'est tellement drôle. Sur Morio. Ils sont là. Et puis alors avec leur c'est extraordinaire. Donc voilà, mais c'est en fait là où c'est dangereux, c'est qu'en fait ils ont une influence sur les médias, et derrière quand vous entendez quelqu'un vous dire que vous traitez d'extrême droite ou de complotiste, en fait faut quand même comprendre que ça vient aussi d'une ingénierie sociale, non pas créée par des gens comme Rudi Rechtstadt, mais créée par tout un tas de lobbies américains qui ont créé tout ça. Donc ça y est, le mal est fait. Moi, de toute façon, si jamais ça continue avec ces caractères assassination, etc., une procédure pour diffamation, et puis voilà. Parce que généralement, c'est par vague, hein, et puis c'est une façon d'opérer qui est assez grossière. Donc à un moment, on dit ok, bon, très bien, on va jouer à ce jeu-là, il n'y a aucun problème. C'est le jeu, voilà, malheureusement c'est le jeu. Et eux, ils sont du côté du pouvoir, donc ils ont du pouvoir, évidemment. Mais ils ont du pouvoir. Encore une fois, ils donnent des formations à des hautes sphères des institutions publiques. Enfin, c'est dans ce sens-là. Mais ma question, c'était pas ça. Question, en fait, c'était surtout, est-ce que vous pensez tous les deux? Parce que je vous sens un petit peu, alors, assez pessimiste, dans le sens où vous pensez qu'on ne vivra pas de révolution. Je partage assez cette opinion aussi. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'avec les mesures là, qu'on va affronter, moi, je vois qu'en fait, le gros problème, je pense que vous partagez mon avis, le gros problème au sein de la population, c'est que la population est totalement désinformée, en fait, de comment fonctionnent les institutions publiques, etc., comment fonctionne le budget de l'État, etc. Enfin, moi, je prends un exemple tout bête. Les élections européennes, il y a encore, je pense, la majorité des gens qui pensent que c'est le Parlement européen qui décide des décisions européennes. Donc il y a vraiment une désinformation qui est énorme et qui est très entretenue par les médias de masse. Mais par contre, il y a un vrai, j'ai l'impression, réveil au sein de la population qui ne sait pas forcément ce qui se passe réellement, mais par contre, voit bien qu'on les prend pour des cons. Et je crois que c'est ça, pour moi, qui a notamment influencé le vote RN. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté RN parce qu'ils étaient souverainistes, en fait, au fond d'eux. Et je pense que le RN a capitalisé là-dessus, au-delà de la question de l'immigration, etc. Donc, moi, ce que je me demandais, enfin, que je souhaitais vous poser, c'était, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les mesures qui vont être prises et qui vont être extrêmement violentes, en termes de hausse d'impôts, en termes de taxation, en termes de réduction de pouvoir public, est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait être aussi le déclencheur, non pas forcément d'une révolution totale, mais en tout cas, au moins d'une insurrection à l'instar des Gilets jaunes? Alors là, on va voir, parce que clairement, c'est évidemment, tout est là, mais je pense qu'il y a eu une telle préparation du terrain. Déjà, il y a eu les JO. Déjà, pendant 2 mois, Macron a fait comprendre aux Français que le gouvernement, ça ne servait à rien. Donc ça, déjà, en termes de démotivisation de la politique... C'est le seul truc où je serais d'accord avec lui. Il a bien dit aux Français, c'est pas votre truc. Hein, vous regardez la télé,
il y a des jeux, c'est bien, c'est pas votre truc. Puis de toute façon, regardez, ça marche très bien avec des mecs en intérim. De toute façon, on va. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit Barnier et il choisit une équipe de nobody. Personne n'est connu. Enfin, c'est du délire. Et là, clairement, il est là dans l'idée de dire ça sert plus à rien tout ça. Lui, il a fait le même constat que nous, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il allait voir directement les oligarques et les donneurs d'ordre, qu'il a demandé de la thune, qu'il a fait son faux parti avec McKinsey, parce qu'il avait compris que la politique, ça ne servait plus à rien. Donc ça, c'est son seul coup de génie, c'est d'avoir été tapé aux bonnes portes, au bon moment, en disant « file-moi la thune, tu vas voir, on va tous les niquer ». Ça a très bien marché. Aujourd'hui, ces gens-là sont au pouvoir, pour longtemps. Hein, si rien ne se passe, ils ont même organisé la fausse opposition, hein, puisque maintenant c'est Darmanin et Attal qui sont en opposition à Barnier, alors que ils ont fait la même politique. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le parti unique est quand même assez cocasse, puisqu'il est capable d'organiser son auto-opposition. C'est fantastique. Non, mais ils sont forts, les autres quand marchent. Ouais, mais c'est tragique, hein, parce qu'en réalité, ça veut dire que oui, pour moi, le politique n'est plus que du théâtre et un théâtre plutôt lourdeau, si ce n'est pas pénible. Donc le pouvoir n'est pas là, clairement. Maintenant, le pouvoir, justement, celui qui va pousser à l'escalade en Ukraine ou pas, celui qui va faire en sorte que les agents de notation soient un peu plus gentils avec la France qu'avec la Grèce, celui qui, etc., celui-là, on ne peut pas s'y attaquer. Hein. C'est François Hollande, mon ennemi, c'est la finance, on a bien vu. Hein. À peine élu, il fait rentrer Macron et toute la finance et il trahit tout le monde. Donc, il a sauvé la Grèce. Il a sauvé sa Grèce surtout, mais la Grèce, on ne peut pas dire qu'il est sauvé. D'ailleurs, Varoufakis a répondu en disant « J'avais l'impression, en l'écoutant, de me faire bouffer par un mouton mort. » c'est assez drôle. Voilà, ces gens-là, voilà, ils ne servent à rien, mais c'est eux qui occupent le terrain, c'est eux qui occupent les cerveaux d'enfants qui regardent le spectacle. Donc, c'est évidemment compliqué de prendre le pouvoir. Et en plus de ça, vous avez donc après toute la frange de l'ordre du contrôle, du damage control, en fait, hein, de l'information, les médias mainstream, les fact-checkers, etc., etc., qui sont organisés pour faire du damage control parce que ça se voit trop que ça ne sert plus à rien et que c'est des nuls. Enfin, Gabriel Attal n'a jamais été un homme d'État. Voilà, pitié, quoi. C'est un communicant, peut-être avec certaines qualités, mais ce n'est pas un homme d'État. Pas plus que ne l'a été Elisabeth Borne. Jean Castex a été aussi un bon moment de divertissement. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu peux regarder de tous les côtés. Le pouvoir est bien caché, en réalité. Il n'est pas du tout... celui qui a le pouvoir plus que Macron, c'est Alexis Kohler. Voilà. Absolument. Ouais, ce qui est très compliqué à comprendre, c'est que on a vu souvent, régulièrement, les gens disent grève générale. Bon, grève générale. Aujourd'hui, les syndicats sont tellement démonétisés, fonctionnent tellement main dans la main avec le pouvoir. Aujourd'hui, allez, il y a 7% des Français, 7 à 8% qui sont syndiqués, y compris le service public. Ça donne une idée de la syndicalisation française. Bon, et les syndicats, excusez-moi, mais pendant la réforme des retraites, ils ont fait n'importe quoi. Ils étaient tellement maximalistes, ils se sont assis sur tout, puis à la fin, comme je disais, ils sont allés souffrir dans le bureau de Madame Borne en disant... bon. Donc ça, la grève générale, ça ne peut pas marcher, on a loupé le coche. Bon. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui me disent boycott, on lit, est-ce que ça marche? Non. Ça ne marche pas comme ça, parce que dans une société consumériste telle qu'est la nôtre, tu peux dire ce que tu veux, ne buvez plus de coca, tu auras toujours, de toute façon, 99% des gens qui ne sont pas sur les réseaux, qui n'ont rien à faire, etc., qui continueront à boire du coca. Oui. Donc tout ça, il faut oublier. Convergence des luttes, malheureusement, moi j'y ai voulu y croire, j'ai fait un effort intellectuel pour y croire, j'y crois pas du tout, parce que finalement, on a vu ça aussi pendant les Gilets jaunes, hein. Les intérêts catégoriels ne constituaient pas, même l'addition de ces intérêts catégoriels ne constituait pas un soulèvement de masse. Et moi, j'ai vu par exemple l'humoriste pas drôle que j'ai quand même soutenu au nom de la liberté d'expression, le mec de France Inter qui s'est fait virer, là j'ai oublié son nom. La seule fois, comment ? Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, voilà.
Je l'ai interviewé en rigolant pendant les Gilets jaunes, parce que la seule fois, alors qu'il crachait dessus dans toutes ses rubriques depuis des mois, la seule fois où on l'a vu dans une manif, c'est quand le statut des personnels de Radio France sur la retraite allait être mis en cause. Là, il a levé le poing gauche, il était dans la rue. Bon, ben voilà. En même temps, il pense que le souverainisme, c'est... il confond le souverainisme avec les nazis. Je l'avais entendu sur Est-ce qu'il pense Je pense qu'il a son cerveau dans son prépuce. Mais bon, alors voilà, si tu veux, le problème, il est là. C'est que, à part un truc hyper violent, spontané, comme je disais, qui va naître d'une étincelle, d'une parole malheureuse, d'un accident... d'un ministre qui va dire, qui va se lâcher, qui va dire les Français c'est feignasse, etc. Bon, il y en a un qui va prendre la mouche et ça peut créer quelque chose. Je ne crois pas, moi, je ne crois plus, en tout cas, ni à la convergence des luttes, ni, comme le disait Alexis, quand tu vois que les mecs se sont auto-signés un truc pour aller faire pisser le chien, c'est fini, quoi, malheureusement. Ouais. Pour moi, c'est fini pour ce soir. Je vais aller rêver parce que je suis HS et je me lève très tôt demain. Donc, j'aurais bien continué la conversation, mais on aura d'autres occasions d'échanger. Fred, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, surtout. Bon, non, salut, c'est un plaisir. Salut, merci Didier, merci à tous. À bientôt. Et puis, ouais, demain, il faut que je prépare mon émission et je me lève tôt. Et je ne tiens plus là. J'ai une semaine difficile. Merci, on comprend. En plus, c'est pas un sprint, c'est un marathon, on a besoin de vous en forme. Et merci beaucoup et bonne nuit. Reposez-vous bien. Au revoir, à bientôt. Et alors, c'était au tour de Débilocratie, puis Maccal. Oui, bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir Didier. Bon, tant pis si Alexis doit nous abandonner. Ça se comprend, c'est dommage parce que j'aurais aimé aussi avoir sa réaction en binôme avec Didier. Je vais essayer, parce que la soirée était très intéressante et il y a eu beaucoup de choses abordées, donc je vais essayer de tout synthétiser en une seule question. Ça va pas être évident, mais en fait, ce qui a été abordé, c'est qu'on est dans une situation où on cherche à mettre véritablement en pratique un changement. La question, c'est quel serait le bon chemin, quelle serait la bonne voie pour réussir à être dans l'efficacité face à, en fait, un monstre totalitaire qui détient tous les pouvoirs et les capacités de nous mettre plus bas que terre. Se sont posées des questions, d'ailleurs Myriam a très justement abordé cette question, et Fred, tu l'avais abordé aussi, de comment faire pour se protéger du communautarisme, qu'il soit religieux, social, ou lié à des confréries. Cette question, du coup, pose véritablement l'idée de refonder le système dans sa globalité. Et c'est pour ça que je comprends parfaitement les colères qui peuvent être ressenties par tout le monde, et je les partage évidemment. Mais je ne suis pas persuadé que cette volonté d'en découdre, cette volonté de l'affrontement frontal, soit au profit de la population. En tout cas, j'ai le sentiment que ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire. Et il va donc falloir essayer d'être un petit peu plus stratégique. Alors, je pense, moi, qu'il y a en fait trois axes sur lesquels nous devons travailler. Ça a été très clairement abordé, à savoir l'information par les médias. Il y a une guerre médiatique à mener. Je pense qu'il y a également une guerre dans le combat de l'isolement. Plus nous serons amenés, et d'ailleurs c'est ce qui, je pense, effrayait énormément au moment des Gilets jaunes, c'est que les gens se sont mis à rediscuter entre eux, et pas de rediscuter uniquement du beau temps, mais de choses bien plus profondes. Donc recommuniquer entre nous, ces espaces aujourd'hui sur X en sont des prémices, mais tout le monde n'est pas là. Et donc il est important d'essayer d'imaginer d'autres moyens de recréer de la communication entre les individus de la nation. Et puis il y a, je pense, un point qui est vraiment crucial, qui est la pratique même de la politique et de la démocratie entre les individus. Donc j'aimerais savoir un petit peu aujourd'hui, du coup, puisqu'il n'y a que Didier, quelle est sa vision d'aller au-delà d'une refonte ou de repenser notre République, de carrément aller au-delà vers une démocratie réelle, nouvelle, avec un appui du numérique, pour pouvoir essayer de ramener au centre de la société la communication entre les individus,
un espace médiatique véritablement libre et désengagé des oligarques, et un outil de la pratique réelle de la démocratie. Pour faire très simple, est-ce que finalement ce n'est pas en pratiquant la démocratie que nous pourrons la récupérer, plutôt que d'espérer le grand soir qui nous amènera au conflit, en espérant à partir de là pouvoir construire quelque chose? Merci. Ou peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, moi je suis assez d'accord avec cette idée. On parlait du localisme. Moi maintenant je vis à la campagne et je vois que beaucoup de gens s'organisent, vivent un peu en autarcie. Moi, j'appelais ça tout à l'heure un peu des tribus, mais pratique en fait une espèce de démocratie participative de quartier. C'est très solidaire en fait, hein, les uns et des autres, à louer des machines pour les champs, par exemple, comme ça coûte cher. Il y en a un qui une année en achète une et là elle bénéficie à tous les autres. Et puis bon, voilà, c'est groupé. C'est vrai aussi. D'un point de vue organisation de la vie dans la cité, pour des choses très simples, hein, pour les courses, pour la circulation, les gens s'organisent entre eux. Hein. Et je dois dire qu'il y a des petites mairies qui jouent pas mal le jeu, parce que bah, eux, ça les arrange hein, aussi d'avoir une espèce de démocratie comme ça apaisée. Donc moi, je crois que c'est l'addition de ces petites tribus qui habitue petit à petit les gens. Je crois qu'il y a deux mondes, enfin deux types de sociétés qui vont, c'est déjà le cas, qui coexistent. C'est-à-dire, il y a, comme je disais tout à l'heure, un monde mainstream avec ses règles, ses jeux, ses occupations, ses médias, sa culture, ses réseaux, ses transports, tout ce qu'on veut, ses supermarchés. Ces médecins, et puis à côté il y a un monde différent, des mondes alternatifs qui entretient avec ce monde mainstream le strict minimum. Quoi, à un moment, ben, on est bien obligé de prendre un train, on est bien obligé d'aller voir un médecin, de passer par Doctolib, même si ça nous rend fou. Mais disons que petit à petit, ces échanges avec ce monde mainstream sont réduits à leur plus simple expression. Et pour tout ce qui est ensuite alimentation, moi je vis dans le Perche, il y a beaucoup de gens qui plantent leurs légumes, qui vivent en autarcie, qui font leur confiture, qui font leur conserve, j'en connais plein, et qui entretiennent avec l'argent et avec le monde mainstream des rapports de plus en plus distanciés. Et ils ont une vie sociale, intellectuelle, économique, c'est pas des babacools avec des barbes de 10 km de long qui fument des bédos toute la journée, hein. Rien à voir. Hein. Ce sont des gens qui ont aussi des métiers, voilà, qui s'organisent comme ça. Donc je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Après, la limite de ce système, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est ça ne fait pas une nation. Donc effectivement, c'est un palliatif, ça permet d'échapper à cette tyrannie ambiante dont le numérique, et ça je suis assez heureux qu'on en parle aussi, est un des outils, parce que aujourd'hui les entreprises totalitaires d'État, elles se manifestent par le numérique, par les machines, par le digital. C'est-à-dire à un moment tu vas pas faire la guerre à une machine, hein. Tu vas pas faire la guerre à des drones. Moi, je suis allé l'autre fois à Paris, j'ai eu 3 PV dans la même journée. Hein, parce que j'avais pris la voiture de mon fils, sa plaque, elle était soi-disant illisible, j'ai quand même reçu le papier chez moi. Elle était juste un petit peu abîmée. La deuxième, c'est que j'avais un rendez-vous boulevard Sébastopol, le feu est passé 3 fois au vert, on est resté bloqué sur une zone zébrée, boum, ça m'a refait 90 balles ou 135, je ne sais plus. Et la troisième, c'est la même journée, j'allais prendre une photo chez Ingrid Hoffmann, qui m'a fait une série de photos qui était assez sympa. Et donc, elle habite en banlieue. J'étais sur une espèce de magnitude. On pose que tout le monde se gare là. Ils ont décidé que c'était interdit. Ils ont failli m'enlever la bagnole. Je n'ai rien fait. J'étais géolocalisé et j'ai vécu les foudres d'une société complètement démente. Quoi. Donc, il faudra aussi se réapproprier les outils numériques. Je ne sais pas encore comment faire parce que de toute façon, c'est un peu illusoire de vouloir les détruire dans un monde
J'ai longtemps pensé ça, je me suis dit, bon, maintenant c'est trop tard, hein. Dans tous les échelons, puis avec nos gamins qui sont natifs avec ça, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, pas de réponse plus satisfaisante que ça, mais je pense qu'il y a les deux. Il faut arriver par le haut à imposer, et sans doute, il va y avoir un peu d'imposition par la force, hein, parce que je ne pense pas que ça se passera dans la bonne humeur, et d'un point de vue local, des pratiques démocratiques plus localisées. Ouais. Allez, merci beaucoup en tout cas pour cette interaction. On passe la parole à Mac Cal. Pour info, j'essaye de ne pas terminer après minuit. Et donc voilà, là, il y a les dernières personnes hein, qui interviendront. Il y aura donc après Ur, Phil et Mathusalem. Bonsoir Fred, bonsoir Didier. Bonsoir à tous, bonsoir Romain, Débilocratie Amélie. Je vais essayer d'être concis pour laisser la parole aux prochains intervenants. Donc, je comptais aborder un sujet, donc je l'ai exprimé en message en dessous du Space, qui est épineux, mais qui fait pourtant partie des nœuds de notre société à défaire. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. J'aurais voulu savoir éventuellement, rapidement, ce que Didier Maesto, donc Alexis Poulain aussi, mais qui n'est plus avec nous, mais ce que Didier Maesto pensait du problème de la prohibition d'une substance, donc du cannabis, voilà, qui concerne des centaines de milliers de personnes, même des millions de personnes dans notre pays, et qui crée de graves problèmes. Donc, à l'aune des déclarations de Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur, qui prétend vouloir continuer 54 ans d'échec de la prohibition et vouloir faire la guerre au narcotrafic, comme il le dit. J'aurais voulu éventuellement savoir sa position, son avis, voilà, une idée par rapport à cette question, voilà, qui est épineuse. Je vais mettre la moitié du space à dos, mais c'est pas grave. Moi, je vais mettre la même moitié à dos. D'ailleurs, j'avais écrit un papier il y a très longtemps dans Lyon Capital. Il faut taper sur Google Didier Maesto, Lyon Capital. Et pour Hollande et Hérault, peut-être, le débat est toxique sur le cannabis. Voilà. Et je m'étais prononcé, et je n'ai pas changé d'avis, pour la légalisation du cannabis. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la France est sans doute le pays le plus drastique de lutte contre le cannabis. Il fait une guerre sans merci, ça marche pas. C'est le pays européen où on consomme le plus de cannabis, donc à un moment, effectivement, la criminalisation, ça marche pas. Bon. Deuxièmement, je pense qu'il faut contrôler ce trafic par une étatisation intelligente avec des... Alors, je parle pas de drogue dure, hein, on parle bien du cannabis. La drogue dure, c'est la coque, etc., c'est autre chose. Mais le cannabis, je pense qu'il faut le contrôler. Et troisièmement, je dirais, c'est le mauvais angle, c'est celui de la criminalité. Il faudrait traiter cette question comme une question de santé publique, ne serait-ce que pour nos gamins qui en arrivent à fumer des joints qui sont composés à 90% de goudron, par exemple, de bitume ou de cirage à godasse, qui brûle les poumons, etc. Donc, c'est devenu un tel phénomène de société, de toute façon, qu'on ne peut pas lutter. Quoi. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours faire du Retailleau, hein, d'être le monsieur plus. En fait, il sert à quoi, monsieur Retailleau? À s'indigner plus fort que la masse. Et être finalement le type qui surcommande, va dire les OQTF, la criminalité. Il dit exactement ce qu'ont dit tous ses prédécesseurs. Il le dit. Avec la rigidité un peu aride que laisse supposer son physique. Voilà. Point barre, c'est tout ce qu'il fait. Et donc, moi, je suis favorable à une dépénalisation, en tout cas, pour contrôler ce trafic et aller choper aussi les têtes de réseau plutôt que d'emmerder les gens qui consomment, qui de toute façon continueront à consommer. Comme tu l'as dit, ça fait 54 ans, ça n'a pas produit, et on ne va pas mettre 300 000 policiers supplémentaires pour traquer le fumeur de joint. Quoi, hein. Voilà. Il faut informer de tout ce que peut
comporter le fait de fumer des joints, l'absence de concentration, la destruction d'un certain nombre de neurones, de capacités cognitives, une espèce d'apathie, etc., etc., une désocialisation, un abrutissement général, etc., des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Bon, tout ça est connu. Et malheureusement, en France, comme l'immigration, ces questions qui sont des vrais problèmes de société et des fléaux, hein, on les traite sous l'angle de l'idéologie, mais une idéologie qui est simplement un marqueur pour se taper sur la gueule les uns les autres, qui ne règle pas les problèmes, qui les garde entiers, mais on se gargarise d'être contre ça, contre ça, et puis finalement on ne fait rien, quoi. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Très bien, merci pour cette question et la réponse franche. Merci beaucoup. On passe la parole. Et je dis, je ne fume pas. Comme ça, moi, je fume même plus de cigarettes. J'ai arrêté, ça fait quelques mois. Félicitations, en tout cas. On passe la parole à Ur, ensuite c'est Phil et Mathusalem. Oui, bonsoir Ur, Phil et Maestro, bonsoir Zach. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je partage assez le sentiment qu'il y a urgence et qu'elle est croissante et que le mal est profond. C'est un peu comme le pissenlit, il a des grosses feuilles, il a plein de petits trucs qui se volent dans le vent et qui se reproduisent. Mais tant qu'on n'a pas arraché la racine, je pense qu'on n'aura rien fait. Et quand on met en regard de ça le fait que moi, je suis assez effaré de voir que très peu de gens seraient capables de comprendre le dixième de ce qui a été dit autour de ce space parce qu'ils ne voient pas le problème, ils ne voient pas de problème. Ils sont complètement déconnectés, complètement enfoncés dans leur vie réelle court-termiste, soit parce qu'ils sont dans un mode survie, ce qui est malheureusement le cas de nombreux gens, soit parce qu'ils sont à l'inverse, dans une situation où ils n'en ont rien à faire. Alors, mon analyse et ma question, c'est autour de le point de rupture, le point de basculement dans les 50 dernières années, me semble-t-il, c'est que les citoyens ont été dépossédés de l'essentiel et que leur vote est une influence sur l'essentiel. Les citoyens ne sont jamais sollicités pour les guerres, ne sont jamais sollicités sur les transitions climatiques, ne sont jamais sollicités sur tous les sujets qui impactent directement et fortement leur vie quotidienne. Alors j'ai du mal à voir qu'une approche radicale, que je partage, hein, je pense qu'un mal profond, la solution doit être radicale pour enlever la racine, mais est-ce que la première étape n'est pas justement d'essayer de reconquérir, même si on n'a jamais été en démocratie véritablement, je pense qu'on l'a été plus il y a une cinquantaine d'années qu'on l'est maintenant, essayer pas à pas de prendre des sujets vitaux et de remonter et de faire converger un peu comme la loupe d'Archimède de tous les gens qui sont autour de ça, sur X et en dehors de X, sur les sujets fondamentaux. On ne peut pas avoir la France qui va en guerre sans que les citoyens n'aient été consultés. On ne peut pas avoir telle chose qui se passe sans que les citoyens n'aient été consultés. Est-ce que ça, c'est complètement naïf, complètement théorique, ou est-ce qu'il y a une possibilité? Parce que les gens qui ne sont pas au courant de ce qu'on dit, jamais ils adhéreront à un mouvement radical. D'ailleurs, on l'a très bien vu dans les Gilets jaunes. Dès que ça s'est un petit peu corsé, tout le monde est parti. Bon, on connaît tous les Gilets jaunes, hein, j'y ai participé. Le mouvement a été récupéré, il a été brisé d'une façon magistrale par la guerre psychologique qu'a menée le gouvernement et avec les matraques et les yeux et les mains qu'on a arrachés. Mais est-ce qu'on... En revanche, si on dit, bah, attendez, on dépense 50 milliards pour faire la guerre et on nous dit qu'il n'y a plus d'argent et de mobiliser, parce que là, je pense qu'on pourra attirer les gens qui sont déconnectés, désintéressés sur des sujets qui me paraissent importants. Et dernier point, par rapport à ça, je suis extrêmement choqué. Je pense qu'on est dans une situation de parti unique, dans un simulacre de démocratie où le vote n'a plus aucune signification. Et je trouve qu'il est extrêmement dangereux d'avoir ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, où finalement, dans un brouillage savamment entretenu par les médias et le gouvernement, on est incapable de voir l'essentiel et les partis politiques ne s'occupent... Enfin, les partis politiques sont plus que jamais des machines à mettre en place du pouvoir les cadres dirigeants de ces partis et qui, une fois assis à la table du pouvoir, n'ont aucun souci de représenter les gens qui les ont élus.
Donc, revenons à l'essentiel, essayons de revenir la démocratie sur la table, mais en prenant des sujets vitaux, un par un. Est-ce que c'est stupide ou est-ce qu'il y a une piste ? L'avis de Didier Maestro m'intéresserait. Alors, il y a trois choses. Moi, ce n'est pas du tout stupide et je pense que c'est l'essentiel, comme vous. Je pense, comme j'ai dit souvent, que la démocratie française est une cooptation ratifiée par un vote dont le résultat, au final, importe peu. Parce que finalement, tout est capté par les partis politiques, les candidats sont désignés par les partis politiques, et quand des élections ont lieu, de toute façon, elles sont pas, le résultat n'importe pas. On a vu avec ce qui s'est passé en 2005 avec le vote contre la Constitution européenne, on l'a vu encore avec les législatives. On a quand même le Premier ministre, il est très bien, il est flegmatique, il parle bien, il est moins arrogant que Bruno Attal, très bien. Enfin, il est juste représentant d'un parti qui a fait 4,78% à la présidentielle, même pas assez pour être remboursé. C'est le dernier parti de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est un parti qui ne représente plus rien. Et on nous explique qu'avec les mêmes hein, qui ont failli, ils vont faire une alliance, ils créent des fausses oppositions, et c'est comme s'il ne s'était rien passé, et on s'assoit sur 20 millions de gens qui ont voté pour le RN et pour le Nouveau Front Populaire. Juste en passant, si quelqu'un de sensé me dit qu'on est encore en démocratie, je lui ris au nez. Quoi, hein. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, c'est pour ça que je viendrai après sur mon troisième point, qui sera le référendum. La guerre est un bon exemple. Je me souviens de M. Bayrou venant donc, sur France Info ou BFM, je ne me souviens plus, le lendemain d'une consultation informelle, c'est-à-dire hors cadre constitutionnel et institutionnel, qui s'était passé une réunion, c'était les rencontres de Saint-Denis. Il nous dit « Le président de la République a exposé sa vision de l'Ukraine et du conflit en Ukraine. Tous les représentants, les chefs de parti étaient là, ils étaient tous d'accord avec lui. Ah bon ? Il n'y a pas de vote à l'Assemblée ? On peut rentrer en guerre comme ça en faisant une réunion au bar tabac avec Macron qui fait du TikTok et Bayrou qui vient sur BFM ? Mais c'est quoi ces histoires ? Et là, on voit bien on reboucle avec ce qu'on disait au départ, qu'il faut en finir avec cette classe politique qui, par sa mollesse, par sa lâcheté, sa couardise, ne dit rien. Monsieur Macron, il pouvait être viré au moment des retraites. Il a été maintenu par les LR qui sont bien récompensés aujourd'hui, pour un petit strapontin. Hein. Il pouvait, le Rassemblement national... Le Nouveau Front Populaire pouvait voter les socialistes et LFI probablement, on verra, c'est pas encore bien clair, j'ai pas tout compris. Dans la niche parlementaire du Rassemblement National, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, ils veulent pas la voter parce que c'est l'extrême droite et sans doute que le Rassemblement National dira c'est des islamo-gauchistes, il est hors de question. Donc total, on se coltine la réforme des retraites. Donc 91% des actifs ne veulent pas et 72% des Français, voire 75% ne veulent pas. On se coltine Barnier et les mêmes parce que personne ne veut voter ensemble une motion de censure. Merci le RN du coup, parce que là ils ont raconté que c'était insupportable, comme LR avait raconté que c'était insupportable, que le budget de la France était pourri, etc. Mais ils ont quand même voté pour Macron, hein, pour le maintenir. Donc tout ça, on voit bien que c'est une pantomime. Et en réalité, chaque fois que ça pourrait faire sens et que c'est important, il ne s'allie pas, chacun vote dans son coin, en disant c'est la faute de l'autre si ça ne marche pas. Qui pourrait sincèrement penser et imaginer, dans notre pays, qu'il y aurait une alliance LFI, Rassemblement National, parce qu'ils auraient voté ensemble une motion de censure, alors que tout vote est personnel et non impératif. Ça n'a aucune espèce de signification, de sens. C'est une aberration, c'est une connerie, une absurdité propagée par les partis politiques qui prennent les gens pour des idiots, pour des gogos. Parce que quand j'ai entendu Manon Aubry qui disait « Il est hors de question que je vote avec l'extrême droite, mais personne ne te demande, cocotte, de voter avec l'extrême droite. On te demande de voter que les gens du Nouveau Front Populaire, en leur nom, rejettent
la réforme des retraites vote une abrogation, qu'elle soit dans la niche du RN ou dans la tienne. C'est tout ce qu'on demande. Nous, ce qu'on veut, c'est pas crever au travail. Hein, on va bosser. Parce que ce qu'il faut voir, l'âge de la retraite, tout le monde dit l'âge, c'est pas... mais l'âge, c'est très important. C'est l'âge en bonne santé qui compte. Moi, je ne remercie pas M. Balladur qui a pris en compte. Au début, c'était, rappelez-vous, aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années, etc. Toutes ces réformes qui ont abouti à ce que nos retraites se réduisent comme peau de chagrin. Et on va travailler toujours plus longtemps. En vérité, pour avoir une retraite à taux plein, c'est pas 64. Ça, 64, c'est l'âge légal, mais en réalité, c'est 67. Et si on augmente l'âge, si d'aventure M. Philippe était élu, on bossera jusqu'à la fin de nos jours. Je ne sais pas dans quel état, parce que plus, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, puisqu'à 55 ans, les seniors sont exclus du monde du travail. Ça veut dire qu'on va faire peser sur la collectivité des gens incapables de travailler, qui auront besoin de soins sanitaires de extrêmement lourds, de grande dépendance, et on va dire il faut qu'ils bossent jusqu'à la fin de leur jour alors que plus aucune entreprise ne les veut. Enfin, tout ça c'est une connerie, ça n'a aucun sens, hein, tout ça. Bon. Et dernier point, effectivement, pourquoi je parlais des référendums, parce que ça, en interrogeant les citoyens sur toutes les questions structurantes, on évite ce genre de problème. Êtes-vous pour ou contre la guerre en Ukraine? Souhaitez-vous que la France s'engage, envoie des soldats en Ukraine? Ben, la question, elle est vite répondue, comme dit l'autre. Il y aura une majorité de gens qui disent non, parce qu'ils n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants, parce que Kiev et Zelensky, ils n'en ont rien à foutre, premièrement, parce que c'est le pays le plus corrompu de la planète, parce que défendre M. Zelensky, ce n'est pas défendre les Ukrainiens, parce que l'armée française, on peut envoyer peut-être, je vais être large, 20 000 hommes se battre, 20 000 hommes en tout et pour tout, c'est-à-dire rien du tout, parce qu'ils se tirent en une nuit de munitions, ce qu'on fabrique en un an, parce que des chars Leclerc, on en a moins de 100 capables de rouler, etc., etc. Tout ça, en fait, quand on démonte question par question, tout est faux. On se rend compte que ça ne tient pas la route, que rien n'existe, donc c'est pour ça qu'il faut faire voter les gens. Par des référendums, ce serait à la fois de la vraie démocratie directe, de l'information, parce que du coup, par de façon succincte, mais quand même éclairée, on dirait, voilà, les capacités de l'armée française, voilà ce qui se passe en Ukraine, voilà quels sont nos buts et nos objectifs de guerre, ben, tout le monde serait obligé de lire et de comprendre et de s'intéresser à la vie de la cité. Donc je suis complètement d'accord avec cette proposition. Merci beaucoup. Question de Phil Comte maintenant, puis on aura la dernière avec Mathusalem. Merci hein, de ton endurance, mon cher Didier. On devrait réussir à se coucher avant minuit normalement, donc ça va. Moi aussi, je suis crevé d'ailleurs. Des réunions, ouais. Oui. Donc, bienvenue à toi, Philippe. Oui, bonsoir. Qui a récupéré son compte, bien. Alléluia. Non, ben, je n'ai pas pu récupérer. Ah, c'est un nouveau compte. Oh, malheureusement, merde. C'est un nouveau compte. Le septième, alors. Le septième, absolument. Donc là, je reviens des enfers. Impossible de pouvoir faire appel chez Twitter, ils sont bouchés à l'émeric. Enfin, donc, il va falloir que je reconstitue petit à petit les abonnés que j'avais. Peu d'importance, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est le mythe de Sisyphe. Alors, je ne suis pas là pour pleurer sur mon triste sort d'avoir perdu mon sixième compte, je suis là pour faire une petite remarque et tout d'abord saluer Didier, Amélie et toi Frédéric, ainsi que tout le monde, tous les auditeurs. C'est que nous voyons donc que d'après l'aveu même du gouvernement Barnier, nous allons vers 7% de déficit par rapport au PIB. Or, je crois que c'était le 1er juin, ou le 31 mai, mais je crois le 1er juin, Bruno Le Maire était au Sénat et avait déclaré que les 5% de déficit seraient tenus en 2024. Nous étions à l'époque en période électorale. Je crois qu'il existe une loi
qui s'était appelée la loi anti-fake news. Vous savez, dans notre français abattardi, où l'on appelle les bobards des fake news, eh bien, il y avait une loi anti-bobard qui, logiquement, pour éviter la désinformation, puisque vous savez qu'il y a des vilains russes qui voudraient influencer les élections avec des fausses nouvelles, eh bien, normalement, la propagation de fausses nouvelles, et encore plus son invention, sont logiquement punies par la loi. Or, le 1er juin, on ne pouvait pas imaginer qu'il s'agisse d'une erreur, que les 2% du PIB auraient été dilapidés en 4 mois. Ce n'est pas possible. Donc, M. Bruno Le Maire mentait effrontément à la représentation nationale et donc aux Français en pleine période électorale. Je m'étonne, ou plutôt je ne m'étonne pas, que, à la fois, bien entendu, la justice ne s'en empare pas, mais que aucune des oppositions, que ce soit le NFP ou que ce soit le RN, ne réclame la mise en place d'une haute cour de justice pour juger M. Bruno Le Maire de cette infraction qui est gravement punie. D'autant plus s'il s'agit d'ailleurs d'un fonctionnaire ou de quelqu'un qui a une autorité publique, ce qui est le cas du ministre. Absolument. Donc là, je pense que, d'ailleurs, Didier, vous avez beaucoup plus de poids que nous tous ici, si vous pouvez faire relayer cette information comme quoi il y a eu en période électorale un bobard illégal qui a été donc dit par Bruno Le Maire et que ça mériterait moi, d'aller récupérer M. Le Maire en Suisse, demander une extradition de ce délinquant qui doit revenir les menottes au poignet en France pour s'expliquer de ce grave délit. Voilà. Merci c'est beaucoup. C'est une excellente idée. Je vais vous répondre parce que j'ai appris ce soir, juste avant le Space, que je vais le faire dès demain, d'ailleurs, je vais faire un long tweet pour réclamer ça, c'est un très bon angle, parce que Monsieur Le Maire, donc, pour une fois, j'ai regardé le JT de France Télévisions, de France 2, et on voit Bruno Le Maire à la commission sénatoriale, hein, avec le socialiste et le LR, qui était un peu agacé, hein, parce qu'il avait dissimulé les choses. Il disait, on était en période électorale, hein, et clairement, le président de la République, comme le Premier ministre, M. Attal, ne voulait pas que je le fasse. Et croyez-vous, rajoute-t-il ce gentil monsieur, avec son air faussement candide, là, et ses yeux bleus là, qui roulent pour plaire à la belle-mère, hein, il dit, mais croyez-vous que mon rôle était d'effrayer les Français? Il a osé dire ça, j'ai vu ça ce soir. Mon rôle, ce n'était pas d'effrayer les Français, c'était de les rassurer, donc je leur ai menti. À la suite de quoi, France 2 lui demande de réagir face à ces allégations, etc. Il a dit, il n'a pas répondu à l'interview, et il a envoyé, écoutez, tenez-vous bien, un texto en disant, un jour, je vous dirai la vérité, je ne vous parle pas, mais un jour, vous saurez toute la vérité. Et la journaliste conclut en disant, on a hâte de savoir si vous avez des choses à nous dire. Du style, je ne peux pas tout vous dire, moi, c'est le président de la République et le Premier ministre qui m'ont interdit de vous dire la vérité. Pendant ce temps, j'écris des livres de boules, 6 en 7 ans, excusez-moi, hein, du peu, j'étais dans la dilatation. Mais bien sûr, il faut... Bien sûr, moi, qu'il faut aller chercher ces gens par la peau des fesses. Moi, j'ai toujours fait ça. Hein. Je porte des accusations publiques très étayées sur tous ces sujets-là. Et tu as tout notre soutien. Je le fais et j'ose le faire. C'est pour ça aussi que les gens le suivent, adhèrent. Parce qu'à un moment, il faut juste dire...
Juste ne dis pas que tu veux le ramener par la peau du cul, ça, il va le vivre ça comme une récompense. Il va kiffer. Et puis moi, c'est pas mon truc. Donc voilà. Non, mais blague à part, c'est extrêmement grave, bien sûr. C'est extrêmement grave parce que 7% du déficit, c'est pas rien. Quand on apprend aujourd'hui que comment peut-on laisser passer des choses comme ça? On peut presque associer cela à une forme de trahison. Le terme de trahison n'est pas usurpé. Là, une erreur comptable. Tu te trompes de 100 milliards d'euros, toi? Non, mais attends. Une erreur comptable. Non, c'est au secours, quoi. Non, mais voilà. Bon. L'erreur comptable de 100 milliards, ouais. C'est fou, quand même. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, donc demain, je vais réfléchir à ça. Et dire que suite aux révélations, ça serait bien qu'ils viennent en France s'expliquer, et que si la classe politique voudrait se réunir en haute cour, ça serait intéressant, pour avoir un jugement à la Balladur 30 ans après Karachi. Hein. Non, mais si je peux me permettre juste d'intervenir, mais cette loi, justement, contre les fausses informations, elle est uniquement faite pour les adversaires, en fait, politiques, et pour la population. Faut bien se rendre compte que si une loi contre les fausses informations en période électorale serait vraiment appliquée, il n'y aurait aucun élu. Hein, on ne va pas se mentir. Il serait tout seul, il manquerait encore des places de prison. Voilà, donc bon, cette loi, elle a un seul et unique but. Déjà, en plus, un juge ne peut pas déclarer qu'est-ce qu'une fausse ou une vraie information. C'est un truc extrêmement compliqué hein, en termes de justice. Donc, cette loi, elle a qu'un seul et unique but, non pas d'être appliquée, en fait. Elle sert à, si vous voulez, justifier des politiques de censure les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Parce que derrière, quand vous êtes sur le... Désolée, je pars dans un truc, mais le Digital Service Act, notamment... Et la loi pour protéger la démocratie des médias, c'est toujours très drôle, c'est toujours très, très orwellien. Toutes ces fameuses lois, en fait, elles vous disent que, eh bien, si une loi vous dit que tel contenu représente un délit, bah, par exemple, la fausse information en période électorale, ça représente un délit au regard de la loi, eh bien, il faut la censurer avant que ne s'applique un quelconque jugement. Donc, ces lois, elles ont uniquement ce but-là, il faut bien comprendre. Ça n'a pas du tout l'intention d'être appliqué. Non, non, tout à fait. Non, mais c'est une criminalisation de la pensée. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire une criminalisation a priori, hors de tout... de toute autorité judiciaire, au nom d'un monstre froid réglementaire et en l'espèce avec le Digital Service Act européen, en dehors de tout jugement rendu au nom du peuple français, comme c'est normalement l'usage en termes de délit de presse ou d'opinion, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais c'est là où, justement, c'est un truc extrêmement grave et que je dis que les gens comme Rudi Rechtat et tout, ils sont pas une influence minoritaire. Parce que derrière, ce sont eux qui forment des fact-checkers à qu'est-ce qu'une fausse ou une vraie information. Voilà. Mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement, je n'étais pas non plus tout à fait d'accord. J'avais, avant que tu interviennes, c'est ce que je disais. Ils sont très... Alors, ils n'ont pas beaucoup d'audience, mais moi, j'en parle parce qu'ils sont très influents. Et il faut que les gens comprennent, d'abord, comment ils se financent, ces gens-là. Parce que là aussi, c'est comme... Ah, c'est dessous. Non, mais en fait, c'est des bouts d'État. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre... c'est que c'est l'État qui crée son propre fact-checking d'une information qui lui serait défavorable. Donc ça, on voit ça dans les dictatures, hein, uniquement. C'est une police politique, hein. C'est la Stasi, en fait. Rien d'autre. Le cas du fonds Marianne, c'est exceptionnel, parce que, tu vois, ils ont accusé Reconstruire le commun d'avoir fait d'avoir critiqué des personnalités politiques en période électorale. Et en fait, Reconstruire le commun, c'est la seule association qui, justement, a critiqué Macron. Y compris. C'est pour ça qu'ils se sont fait épingler. Mais derrière, Conspiracy Watch, ils ont fait plusieurs articles, un coup sur Jean-Luc Mélenchon, un coup sur Marine Le Pen, la veille des élections présidentielles. Ça, tu vois, dans le fond Marianne, personne n'en a parlé. Il y a des trucs comme ça, mais c'est voilà. Bref, je vous laisse dormir, excusez-moi. Non, mais ça, c'est très important de comprendre que dans un pays qui se cabre, qui est un peu totalitaire, le mot est un peu fort, mais en tout cas qui commence à criminaliser la parole, la pensée,
a priori, à créer des fiches sur tout le monde, voilà, des syndicalistes, des hommes de médias, on est sans doute fichés S, quoi, voilà. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout, quoi. D'ailleurs, on recule, hein, même d'un point de vue de la liberté de la presse dans les classements internationaux, on est quand même très très loin, on devrait être premier, la France, hein, vu notre histoire et notre particularité, inspirateur de toutes les des grandes constitutions dans le monde, des droits de l'homme, enfin, j'en passe des meilleurs, et on est très très loin dans le palmarès, quoi. Donc, tous les signes, en fait, de vigueur démocratique sont passés au rouge. Donc, En tout cas, moi, je vous trouve très mauvaise langue, tous les deux. Alors, je tiens vraiment à le dire. Je m'offusque de vos propos. Car, comme à mon habitude, je cherche toujours une petite citation qui élève l'âme, qui inspire les esprits et qui aiguise notre esprit critique. Et j'ai trouvé une très belle, très, très belle phrase. La voici. La plus belle des victoires, c'est celle de la démocratie, celle du vote, dans la clarté et le respect de nos valeurs. Qui a dit ça, Amélie? Qui? Raffarin. Non, c'est Aurore Berger. Ah, bande de gueux que vous êtes. Hein, c'est une phrase vraiment... Bon, moi, je vous avoue, je l'ai imprimée, je l'ai mise dans un cadre pour, on ne sait jamais, le jour où j'aurai peut-être un contrôle agressif chez moi, je tiens à passer pour un larbin. Bon... Elle m'a bloqué, cette belle horreur. Elle qui venait tout le temps à Sud Radio. J'ai eu une petite réflexion, mais de rien du tout, sur les réseaux. Dans la seconde, elle m'a bloqué. Dommage, moi, j'aurais bien aimé être en photo avec elle, avec après Juppé, Fillon, voilà, tous les uns les autres, Macron. Elle était en photo avec tout le monde, hein, cette dame. En tout cas, je ne vous ai pas dit le contexte de cette très jolie citation datée du 18 juillet, l'an de grâce 2024. C'est une photo dans laquelle elle embrasse sa copine Yael Braun-Pivet. Et elle dit « si heureuse et fière pour l'Assemblée nationale ». Ah, c'est beau. La communication, c'est beau. Bon, on passe la parole à Mathusalem. Après, nous, on tentera quand même, on clôturera le space avec une petite tentative de synthèse quand même. Ou une impression générale. J'aurais peut-être une dernière petite question à te poser, mais premier sera ultra rapide. Mathusalem, merci de ta patience. Et désolé à tous ceux qui n'ont pas pu monter, parce que vraiment... On a fixé les derniers intervalles. Bonsoir, on ne se connaît pas, je crois, mais bonsoir. Oui, bonsoir, merci pour le space qui est d'une tenue exemplaire, et merci à tous les intervenants. Je salue le retour de Philippe Comte, je me permets d'inviter chacun à suivre Philippe Comte dans son... Oui, absolument, ça pourrait lui faire 400 followers d'un coup, là, avec ceux qui sont là. Voilà, ouais, ça serait super. Suivez Philippe. Ouais. Ne serait-ce qu'au nom de la liberté d'expression et pour lutter contre la censure, aider les camarades comme ça tomber temporairement en combat à se remettre. Merci Mathusalem de cette remarque. J'avais noté quatre points sur lesquels je voulais vous inviter à réagir, Didier, et puis également les autres. Alors, pour commencer très durement, qu'est-ce que vous pensez de l'idée qui a été pensée par Juan Branco de construire des guillotines et de les poster sur les réseaux sociaux? Ça, c'est ma première question. Construire des guillotines. Enfin, quelqu'un qui va un peu dans mon sens. Parce qu'il faut, on parle de l'histoire de France, on parle aussi de réveil, parce que c'est aussi psychologique, la politique. Donc, je pense que si on construit des guillotines avec nos voisins et qu'on ne les passe sur les réseaux sociaux, ça peut faire des boucles. Je rappelle que les Gilets jaunes avaient commencé avec des boucles. Hein. Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que vous pensez, dans la même lignée, du fait de judiciariser à outrance la politique? Donc, j'entends par là des poursuites pénales de groupes constitués autour de pétitions, éventuellement portées par des figures catalysantes comme Tribune Populaire, Didier Maistre, Alexis Poulain, que sais-je, Philippot, enfin, qu'importe. Donc, je répète, judiciariser la politique et augmenter le risque pénal sur des gens comme Buzyn, Édouard Philippe, je pense particulièrement au Covid, Bruno Le Maire pour mensonge et trahison d'État. Je pense qu'on peut aussi parler de haute trahison pour Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. La liste est non exhaustive. Qu'il s'est d'ailleurs pêché, qu'il s'est empressé d'enlever la Constitution, tu es au courant? Oui, bien sûr, mais on a le droit de la... Donc à rétablir, quoi. On a le droit de la rétablir dans les 6 semaines, le jour où il y a un changement de pouvoir. Donc voilà, je répète, construire des guillotines et augmenter la pression pénale, parce qu'il semblerait que nos gouvernants, qui sont très fans de l'état de droit, ont quand même un tout petit peu peur des poursuites pénales,
J'en veux pour preuve aussi la réaction hallucinée des journalistes de BFM quand Rima Hassan leur a dit que tôt ou tard, ils auraient à répondre. C'était évidemment juridique et j'ai trouvé très intéressante la réaction en fait, de BFM TV qui a dû réagir en groupe, que ce soit Société des journalistes de BFM, je crois que même le président de RMC, c'était vraiment du lourd, quoi. Ensuite, par rapport à, j'ai entendu parler un moment d'horizontalité et de verticalité, là c'est une question aussi par rapport à la dynamique. Est-ce que vous ne pensez pas que la dynamique de la société en général, ça dépasse bien sûr le cadre français, c'est plutôt, c'est mondial en fait, et occidental. Est-ce que vous ne pensez pas que la dynamique, elle n'est pas plutôt à davantage de verticalité, avec particulièrement en France, de ce que j'ai pu entendre sur les réseaux, ce que je peux lire et ce que j'ai pu entendre sur les réseaux, un sentiment de manque d'ordre, un non-respect pour des élites qui sont jugées à la fois molles et corrompues. L'autre fois, j'étais sur un space québécois qui reprochait exactement la même chose à ses dirigeants au Canada. Donc, avec le aussi en France, on a le mythe du grand homme. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on serait plus enclin à un futur vertical qu'horizontal et donc beaucoup moins participatif que ce qui a été discuté ce soir? Dans la même lignée, j'ai encore deux petits points. Dans la même lignée, est-ce que vous ne pensez pas que le numérique et les développements technologiques ne vont pas plutôt dans le sens d'une société autoritaire plus que l'inverse, inévitablement en fait, dans le sens où la technologie et la technique conditionne le régime politique et conditionne la politique plus que l'inverse. J'en veux pour preuve le système chinois qui fonctionne plutôt bien et qui pourrait, si jamais il dépasse définitivement les États-Unis, s'imposer comme le nouveau modèle. Et enfin, est-ce que là, finalement la France dans son ensemble ne devrait pas passer par une situation de choc, c'est-à-dire une crise politique, un effondrement tel que 1991 en Russie, une guerre, une insurrection ou une sécession pour sortir de cette dynamique? Est-ce que finalement la dynamique dont on se plaint et dont on voit on voit le sens de cette dynamique qu'on pourrait dater à environ 30-40 ans. Est-ce que finalement le mal n'est tellement pas si tellement profond avec des élites tellement bien imbriquées, etc. Est-ce que finalement on pourrait en sortir par de la réforme simple en restant dans ce système, ou est-ce que finalement ce serait encore une fois, je répète, une situation de choc qui pourrait prendre plusieurs formes. Ça peut être une crise financière au niveau de l'euro, ça peut être une insurrection populaire, ça peut être une guerre, je crois pas trop à la guerre cependant, ça peut être une crise de régime, ça peut être l'assassinat de Macron, parce que bon, il a catalysé tellement de haine. Voilà, donc c'était mes questions. J'espère que j'ai pu être clair. Je vais répéter très très rapidement. Est-ce qu'on ne va pas vers plus de verticalité? Est-ce que le numérique et la technologie ne vont pas faire des sociétés inévitablement autoritaires et donc beaucoup moins libertaires? Pour le meilleur et pour le pire, la liberté, c'est pas non plus... Je sais qu'en France, on y est attaché, mais il y a des pays qui s'en sont très bien sortis avec des libertés moindres. Et est-ce que finalement, on ne devrait pas... Enfin, est-ce que notre destin, c'est pas de s'en sortir par un choc? Voilà. Merci. Alors... Il y a beaucoup de choses et globalement, c'est quand même très construit et je dois dire que j'y adhère beaucoup. D'abord, la guillotine, moi, j'y suis favorable d'un point de vue symbolique, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne cesse de célébrer la Révolution française. On a eu le bicentenaire, pour les plus anciens s'en souviennent. Hein. C'était Barouin qui était chargé de ça, le fils Barouin. C'est le seul moment de sa vie où il a un peu travaillé. Chirac lui avait confié l'organisation du bicentenaire de la Révolution française. Il était content, il avait Jean-Paul Goude et compagnie, etc. Donc oui, la force symbolique de la Révolution et de la guillotine, il faut que la terreur change de camp. Alors, encore une fois, je ne suis pas pour réinstaurer la peine de mort, faire des comités pour couper la tête aux gens ou les tondre. Mais je pense qu'une chaîne sur les réseaux où on disait « bon, maintenant, ça suffit, c'est comme les casseroles en Argentine, etc. », s'il y a un symbole pour nous, pour les faire fuir et leur faire peur, c'est la guillotine. Deuxièmement, sur la judiciarisation de la politique. Moi, je suis extrêmement radical sur le sujet, depuis toujours, en fait. Je pense que les hommes politiques, d'abord, ne devraient pas être payés, à part les maires qui font un travail à plein temps. Il y a une espèce de dévoiement de la fonction parlementaire, notamment pour les députés. On dit qu'ils travaillent beaucoup, ils font du terrain, ils font des campagnes. Ils n'ont pas à faire de terrain. On n'est pas député de Lyon, de Paris ou de Marseille. On est député à
député à l'Assemblée nationale. On est une part soi-même de souveraineté nationale. On n'est pas attaché à un mandat territorial. Ça n'a rien à voir. On peut être député de n'importe quel bout de France. On n'est pas un territoire. On est là pour faire la loi et pour contrôler le gouvernement. Ça, c'est la Constitution. Et donc, ensuite, on ne devrait pas avoir à faire campagne pour être réélu, parce que la pipolisation de la vie politique n'est pas une fatalité. Moi, j'en ai rien à cirer de savoir que d'avoir un tel ou un tel. Moi, si je vote pour des idées, pour une politique, je m'en moque bien de savoir que lui, il va faire une carrière, qu'il va être réélu, que c'est un bon homme politique ou une bonne femme politique. Qu'il a le... Moi, je ne suis pas là pour ça. Si je veux ça, je vais au théâtre ou je vais voir des one-man shows. Je m'en fous que le type soit brillant. Je veux qu'il applique une politique. Bon. Et enfin, je dirais que le temps passé dans les commissions, le jour des questions, les deux jours maintenant des questions au gouvernement, etc., tout ce cirque inutile, à quoi ça sert? C'est vraiment rien. Pourquoi? Pourquoi on devrait se coltiner ça? Un député devrait simplement, dans son d'abord, travailler, avoir un vrai travail, avoir au moins travaillé, allez, mettons, je sais pas, pour pas qu'il soit trop vieux, commencer jeune, allez, qu'il ait au moins travaillé 5 ans et qu'il ait payé régulièrement ses impôts pendant 5 ans, qu'il ait un métier à côté qui lui permette de vivre, premièrement. Deuxièmement, qu'il donne un peu de son temps à la collectivité en fonction de ses compétences. Il est médecin, il vient parler de médecine, donc il vient deux fois, hein, s'il y a un projet relatif à la santé qui est en discussion, et pour le budget général. Et c'est tout. Il n'y a pas à passer son temps en commission, à faire du serrage de louche, à faire l'assistante sociale dans les circonscriptions. Moi, j'ai fait ce boulot hein, pendant 5 ans, 6 ans, donc je peux un peu en parler. C'est une honte, ça ne sert à rien. Les types qui font du terrain, en fait, c'est simplement pour échapper au travail. Donc nous, on est là, les assistants, à faire tout un tas de trucs. On est devenus les mécaniques essentielles d'un rouage inutile. Des pièces folles qui ne servent à rien. Donc voilà. Et donc, moi, je suis pour la judiciarisation pleine et entière, au surplus, et aussi pour rendre les gens responsables sur leur denier personnel. C'est-à-dire que toute dette contractée, on doit la rembourser deux fois avec des peines prévues par le code pénal qui sont déjà lourdes, d'emprisonnement de jusqu'à 7 ans de prison et de mémoire, c'est 2 millions d'euros d'amende quand c'est une escroquerie en bande organisée. Hein, ça passe de 1 million à 2 millions et transmissible aux ascendants et aux descendants de telle sorte que les types vont faire un petit peu attention à ce qu'ils font. Moi, j'ai toujours travaillé en entreprise. Et je me suis tapé des semaines de 100 heures. J'étais responsable de mes deniers, des deniers dans l'entreprise. Et s'il y avait un problème, c'était moi qui étais traîné au pénal. Et en tant que directeur de publication des différents médias, Sud Radio et compagnie, j'ai été 50 fois traîné au pénal. J'ai gagné mes procès, mais c'est pour dire qu'il faut assumer dans la vie. Donc oui à la judiciarisation de la vie politique des hommes politiques français. Non au paiement de leur... on n'a pas à les payer, il faut qu'ils soient défrayés sur présentation de factures quand ils prennent un train en deuxième classe, comme tout le monde. Et voilà, et ça va bien. Et s'ils ont faim, ben on leur paye un repas dans des limites raisonnables, c'est-à-dire 25 euros par personne sur présentation de factures, et basta. Et on réduit leur nombre de manière drastique. Je répète, 550 000 élus, 577 députés. Et il y en a 100 aux États-Unis. C'est la seule notion de changement de régime qui ferait vraiment peur à Gérard Larcher. Bah, bien sûr. quid des politiques de métier? Alors, les politiques, moi je suis contre la professionnalisation de la vie politique. Ça, alors, Sarkozy a fait beaucoup de mal à la France. Hein. Il a dit la politique est un métier. Hein. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, le métier de ceux qui n'en ont pas. Mais là aussi, on en parlait à l'instant, était l'homme qui a déresponsabilisé encore davantage le chef de l'État, le rendant, d'un point de vue juridique, totalement irresponsable durant toute la durée de son mandat pour tous les actes commis pendant son mandat. De telle sorte qu'en fait, tu ne peux jamais ensuite le poursuivre et que c'est l'arrogance de l'impunité qui est ainsi institutionnalisé et jeté
aux yeux de tous. Ensuite, sur la dynamique de la verticalité, je suis assez d'accord avec le mythe du grand homme, que je relierai moi aussi à une espèce d'autoritarisme du numérique. Il écrit nulle part que le numérique doit diriger nos vies, que le numérique soit utile en entreprise pour gérer des stocks, pour gérer des feux de circulation, etc. Oui, pour gérer nos libertés, pour passer par Doctolib, pour prendre un rendez-vous chez mon dentiste, franchement, ça m'emmerde, ça emmerde tout le monde. Passer par des sites internet pour faire une réclamation aux impôts dans le centre et qu'à 300 mètres de chez moi, ça m'emmerde. Avoir des maisons de l'État qui ne sont ouvertes pratiquement jamais, ou quand tu arrives, on te dit « Ah non, mais on vous donne le papier, allez sur internet », ça l'intéresse. Donc en fait, effectivement, oui, je suis d'accord, les sociétés, et l'exemple chinois est un très bon exemple, très mauvais, mais en réalité très bon, pour la clarté du propos, parce que les Chinois ont été les premiers à comprendre, vu leur population et l'étendue de leur population et de leur territoire, qu'il leur fallait gérer des comportements, de telle sorte qu'ils n'ont plus géré des individus. Et donc la Chine, c'est à la fois un régime communiste, totalitaire, ultra-libéral, pour le coup, qui gère des comportements par des programmes sociaux, dont l'expérimentation a été bénéfique et va se multiplier et se généraliser. Donc le numérique, c'est l'outil absolu d'asservissement définitif des masses. Ça, moi, je me battrais, si un jour j'étais aux affaires, pour dédigitaliser tous nos services publics, etc. Et pour remettre de l'humain, parce que les gens ont besoin d'humain, on est tous contents quand on a un problème d'ordinateur, de téléphonie, dentaire, médicale, de bagnole, d'avoir un être humain, putain, à qui on puisse parler, qui va nous réparer notre toit, notre bagnole ou notre dent, quoi. On ne veut pas, et je pense que même les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, ne veulent pas de cette société totalitaire qui vient gérer le moindre espace de nos vies, de notre vie. Ce n'est plus possible, ça. Et de toute façon, il y a des expérimentations qui ont été faites, j'en parle dans mon dernier bouquin, de ces usines qui, malgré les guerres, continuent à tourner, quoi, parce que l'automatisme... la numérisation étant l'automatisation extrême, en fait, on n'a plus besoin de donner d'ordre à la société pour qu'elle se perpétue, quoi. Donc, c'est un peu ce mouvement perpétuel qui est en soi, ontologiquement, je dirais, a priori et définitivement, un totalitarisme, de par son essence même. Et enfin, une situation de choc, oui. De toute façon, c'est toujours les chocs. La France, en plus, n'est pas un pays de réforme. Le réformisme mou, ça donne François Hollande. Voilà, ça donne l'ennemi, mon adversaire n'a pas de visage, la finance, etc. Bon, on a vu ce que ça a donné. Alors, il avait parlé de choc, le choc de simplification. Le seul choc qu'on a eu, c'est celui de Valéry Trierweiler. On n'a pas eu de choc de simplification. Il devait tout révolutionner. Ça devait être simple, ça n'a jamais été aussi compliqué de surfer sur l'Internet, parce qu'on a confié ça en plus à des cerveaux malades, c'est-à-dire des mecs qui ont fait l'ENA et qui ont reproduit les imprimés CERFA, mais sur Internet. J'invite tout le monde. Moi, j'ai eu, par ma société, été obligé de faire, j'ai mon truc fiscal, mon compte là, avec mon numéro de sécu, là, où on rentre impôts.gouv, là, mais j'ai dû créer un espace personnel et professionnel sur Internet. Mais putain, le truc, c'est un site des années 80, quoi, de 89, du début d'Internet, où tu vois que le mec qui a fait le site, tu vois son cerveau, quoi. Tu vois, c'est les sites d'avant, les cases, les machins, il n'y a pas d'hypertexte, enfin, c'est n'importe quoi. Et donc ça, c'est un outil d'asservissement des masses. C'est l'outil ultime, parce que tu ne vas pas te battre contre une machine. Je parlais de l'exemple de Paris tout à l'heure, bah, tu te fais rattraper par la patrouille, ta plaque n'est pas réglementaire,
t'as pas la bonne vignette critère, tu t'es arrêté sur un passage zébré, mais même si tu ne peux pas faire autrement, ce n'est pas le problème, tu ne peux pas discuter. Et quand tu discutes, il faut d'abord... Moi, je conteste même plus mes PV, parce qu'en général, soit ça ne marche pas, soit ils me reviennent majorés, bah à la fin, tu finis par te soumettre, quoi. Parce que t'es toujours, même là, on ne peut même plus avoir une amnistie, donc tu finis par être rattrapé par une machine qui te broie. Voilà. Donc, moi, je crois à cette verticalité et aussi à la nécessité de lui couper la tête par une guillotine, cette verticalité. Alors, justement, ma dernière question, puis après, ça peut ouvrir sur une synthèse. C'est en rapport avec ce processus de déshumanisation que tu décris très bien. Penses-tu qu'on puisse criminaliser à terme les ingénieries sociales? Et je suis absolument conscient que quand je parle d'un sujet hautement complexe. Est-ce que tu y as pensé déjà? Je pense qu'on peut les remplacer. C'est-à-dire, je pense qu'on peut les bouter dehors. Tu veux dire par la riposte? Par la riposte et par des pratiques, en fait. En aiguisant l'esprit critique. Voilà. Parce que je pense que, en fait, la criminalisation, elle est satisfaisante d'un point de vue presque, j'allais dire, c'est même pas intellectuel, non, c'est tripal, quoi. C'est qu'à un moment, on a envie de faire payer, de criminaliser des gens qui nous rendent la vie impossible. Mais d'abord, ça suppose beaucoup de moyens, ça suppose une vertu extrême dans la gestion de la criminalisation, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'excès inverse ou qu'on fasse exactement ce qu'on nous reproche. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, on est dans un débat infini. Moi, je crois plus à la vertu de l'exemple et aux bonnes pratiques qui, par capillarité, par micro-action, vont infuser dans la société. Voilà. Pour ne pas avoir une société qui soit trop... Parce que c'était aussi comme ça que les sociétés, comme le soviétisme, hein, s'est imposé. Hein. Parce qu'au départ, on a criminalisé, on a interdit, et puis on s'est retrouvé dans un truc qui a fait des milliers, des millions de morts même, et où toute liberté était proscrite. Et quand le mur est tombé, les gens sont plutôt partis vers l'Ouest que le contraire. Hein. J'ai jamais vu des gens de l'Ouest aller à courir pour dire « Oh non, c'est dommage, nous on veut vivre dans le communisme ». Mais c'est vrai, pour revenir à l'ingénierie sociale, que bon, déjà on sait qu'elle exploite la distinction système 1, système 2, ça fait partie des découvertes des dernières décennies, hein, pour ceux qui s'intéressent, je ne vais pas faire de longue parenthèse là-dessus. En gros, nous avons un cerveau réflexe et un cerveau analytique, et on nous manipule au travers du cerveau réflexe parce que devant l'ergonomie d'une interface, par exemple, nous avons tous le QI d'un enfant de 8 ans, nous sommes pressés, on appuie sur les boutons, on accède, voilà, ou même on paye vite fait les PV pour éviter de perdre son temps à aller contester, pour revenir à ton exemple. Et la déshumanisation se joue sur ce plan-là. Je voulais simplement vraiment te remercier, d'autant plus, mon cher Didier, que tu joins le geste à la parole en illustrant là ce que c'est que la réhumanisation, puisque nous sommes dans un véritable bug dans la matrice, là, à faire un space qui dure 4 heures avec quelqu'un qui apporte de la sagesse, de l'ouverture d'esprit malgré toutes les possibles divergences idéologiques qu'on pourrait identifier. Malgré même des moments où j'étais un peu énervé, je te suis tombé dessus sur certains tweets, t'as été super patient, je me suis dit oulala, ça, alors là, vraiment, c'est un bonhomme. Il m'a pardonné mes moments rugueux. Je te remercie. Je me suis racheté en likant beaucoup de tes posts, parce que vraiment, tes posts n'en finissent plus de s'améliorer. Je tiens vraiment à le dire, pas de la flagornerie. Hein. Je suis pas d'accord avec tout, mais franchement, quelle tenue, tu élèves le niveau. J'avais aussi envie d'ailleurs de dire ça à Alexis. Parce qu'en plus, vous avez ce point commun d'ailleurs, que vous apportez l'humour. L'humour, humor, en latin, c'est les fluides. Hein, donc l'humour, c'est ce qui sert à fluidifier, hein, les relations humaines, à adoucir les relations. Et si on réfléchit bien, l'humour, c'est ce qui a totalement déserté cette caste de débiles légers qui croient totalement à tout ce qu'ils disent. Il suffit d'ailleurs, moi je m'éclate en ce moment, ma nouvelle tête à claque, c'est Valérie Ayer, quoi. Elle illustre et elle incarne et elle synthétise à la perfection la vacuité macroniste psychédélique dans toute sa puissance, quoi. Aucun sens de l'humour d'ailleurs au passage. Faire un discours contre Orban, un peu Orban, on pense à ce qu'on en veut, mais c'était ridicule. Malaisant, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ah oui, malaisant, c'est le mot à la mode. Mais particulièrement adapté
Écoute, j'espère vraiment en fait qu'il y a quelque chose de contagieux dans ton attitude, ton ouverture, celle d'Alexis aussi, c'est-à-dire que il y aura des gens comme moi, pas que moi, mais d'autres, j'espère, qui pourront vous rejoindre sur vos plateaux YouTube avec Harold et oh mince, j'oublie son prénom. Et voilà. Donc là, je suis en train de m'inviter. Je te prends au piège. Non, je déconne. non, non, mais d'ailleurs, pas moi, je m'en tape. En fait, ce que je trouve excellent, c'est que si tant est que nous ayons trouvé une sorte de fil rouge ce soir, c'est bien celui-là, c'est celui de l'intelligence collective, de ce pari qui mérite d'être tenté, et qui, dans ses modalités, comment dire, ne nous oppose que sur peut-être des logiques de chronologie et d'intensité de la radicalité, en fait. Hein. C'est tout, mais on est d'accord. J'ai plus de respect pour quelqu'un qui ne partage pas mes idées, mais avec qui je vais échanger, qui le fera courtoisement, avec des arguments qui vont me déstabiliser, plutôt que quelqu'un qui est globalement de mon avis, mais qui sera condescendant et stupide. Ou qui même, d'ailleurs, je me permets de le dire, parce que ça, je l'ai vécu, j'ai vécu les moments du militantisme hardcore, quand je le découvrais un peu naïvement, et j'ai coutume de dire, à force de combattre le dragon, on devient le dragon, donc on devient tous un peu cons, en gros, c'est ça que je veux dire, parce que militant, ça rend hystérique, quoi, mais c'est vrai que j'étais souvent indisposé par la manière dont des gens de mon propre camp argumentaient, même s'il y en a beaucoup que j'ai pris plaisir à découvrir dans leur finesse, mais tu vois, voilà, et là, je te rejoins totalement, c'est-à-dire que parfois, on réalise que à l'intérieur de notre propre logique, hein, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une idéologie? C'est une, comme disait Hannah Arendt, hein, une logique en action, hein, qui s'auto-perpétue. Et donc cette logique est parfois évidemment aliénante, mais pour reprendre le terme, elle est malaisante quand on constate que ceux avec qui on se bat parfois ne la défendent pas pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on peut avoir, tu vois, on peut être sur les mêmes combats, mais parfois pour des raisons qui sont défendables à l'aune, par exemple, avec Amélie, d'ailleurs, il y a 4 ans, on appelait, dans nos spaces, on appelait ça la tectonique des plaques, quoi. On était opposés idéologiquement, elle et moi, mais on arrivait à parler du sujet de fond, hein, la tectonique des plaques, ces grandes masses, quoi. Les transformations silencieuses, comme diraient les Chinois, tu sais, voilà, ces transformations silencieuses. Et donc, on était plutôt engagés dans cette tentative d'analyse, et peu importe si on tâtonnait, on pouvait être maladroit, au moins le dialogue était possible, parce qu'on essayait de pousser l'analyse assez loin. Après, c'est vrai que... La Macronie, c'est ça, c'est oui. Et tout système de ce type-là, parce que la Macronie, c'est un système parmi d'autres, c'est un avatar. Hein. Bah, c'est pas, y a pas une on peut même dire Macronie, c'est déjà... bon, voilà. C'est un système cybernétique. Voilà. Donc en fait, ces gens-là, par l'hystérisation permanente de la société, l'avidissement et l'aboutissement général des masses, nous font perdre pied. C'est-à-dire, en fait, j'allais dire, débattre, c'est pas grave. Mais non, c'est même pas que c'est pas grave de ne pas être d'accord. C'est que c'est nécessaire d'être dans une dialectique. Moi, j'adore ne pas être d'accord, et j'adore quand le débat est fructueux, et que tout mon jeu, c'est d'aller convaincre la personne en face de moi que mes arguments pèsent plus. Et j'ai horreur quand le débat... c'est pour ça que je ne vais presque plus à la télé, parce qu'il faut prendre la comédie humaine et la résumer en 8 secondes. Ouais. Mais des fois, on me dit... sur certaines chaînes. Bon, alors allez-y. Alors, c'est trop long. Je dis, c'est trop long, alors j'ai rien à dire. C'est pas oui-non, quoi. C'est pas oui-non, la vie. Moi, vous me posez une question sur l'immigration, sur les OQTF. C'est pas oui-non, quoi. Je suis désolé. J'ai besoin de développer une pensée. Je vais pas faire la critique de la raison pure. Ça va prendre 25 secondes, mais ces 25 secondes, il faut me les accorder. D'ailleurs, mon cher Didier, à cet égard, faudra pas non plus que l'on glorifie à l'extrême les youtubeurs, parce qu'il y a quand même aussi tout un tas de biais qui sont introduits par le désir de plaire. Hein, le désir de plaire, le désir d'avoir une cagnotte, le désir de ne pas décevoir sa propre communauté. J'ai remarqué que certains reproduisaient à une échelle, à une petite échelle, eh bien certains des travers des médias mainstream, simplement parce qu'ils ont peur, à un moment donné, de déplaire, hein, de perdre des abonnés, etc. Donc voilà, faut quand même être attentif à ces risques-là. Il y a le même problème dans les médias indépendants que dans les médias mainstream, malheureusement. Et là aussi, dans les médias indépendants, il faut trier le bon grain de livret et être capable de faire son marché. Et il faut que les gens que tu entends à droite, à gauche, au centre, au milieu, en haut, en bas, disent partout la même chose sur le même sujet. Parce que sinon, il y a une suspicion qui s'installe et ce n'est pas bon. Et les gens qui veulent plaire, finalement, c'est des médias qui ne durent pas très longtemps, hein, parce qu'ils finissent par se scléroser
eux-mêmes. Mais ça, c'est un vrai, vrai problème, hein, parce que le fait d'être indépendant n'est pas un gage de qualité et de sérieux, malheureusement. D'ailleurs, alors moi, ça sera mon mot de la fin, après je te laisserai conclure, mais juste pour le plaisir jubilatoire d'une jolie idée sur laquelle je suis tombé par hasard grâce à une tweetos qui me l'a envoyé en privé. Elle m'a envoyé un petit texte qui menait à un site assez complexe avec des mémoires de master, de gens qui sont vraiment des chercheurs, mais là-dedans, il y avait une perle, quelqu'un qui avait fait un mémoire sur le malentendu. Et je vais le retrouver, je vais te retrouver le lien. J'ai adoré parce que, en gros, si je le résume évidemment rapidement pour les besoins de la démonstration, on croit à tort que le malentendu est un bug dans la conversation. Alors qu'en fait, le malentendu, c'est la nature même de la conversation, ou de la dialectique, hein, dirais-tu, parce que c'est bien la preuve que l'on est confronté à l'altérité. Et quand on l'accepte et quand on sait que c'est toute la beauté de la conversation que d'assumer qu'elle est forcément par nature imparfaite, forcément, hein, pas fluide, avec cette toile de fond métaphysique qui est le drame de l'incommunicabilité parfaite des choses, on n'arrivera pas à se comprendre à la perfection. Quand on l'intègre, et quand on sait que le malentendu est une bonne chose, j'ai un ami à qui on plaisante de ça, parce qu'on a souvent des conversations un peu prises de tête, et depuis que je lui ai parlé de ce texte, et on se dit, regarde, c'est un malentendu, c'est beau, ça veut dire que nous sommes en train de frictionner nos différences, ouah, c'est génial, non? Et c'est fantastique de se dire, voilà, l'intelligence collective, ça ne veut pas dire qu'on est tous collectivement intelligents de la même manière et tout à coup cohérents, mais qu'on accepte en effet que la rugosité du débat... it's not a bug, it's a feature, comme dirait l'autre, tu sais, c'est, voilà, c'est pas une erreur, c'est la dynamique intrinsèque de la découverte de l'autre. Voilà. Et quand on est sur cette idée-là, on se dit quand même, est-ce que en effet, la plus méphitique, la plus toxique des ingénieries sociales, c'est pas celle qui fait que depuis si longtemps, on a l'impression que l'opposition, les partis, tout ça, sont un problème, alors qu'en fait, c'est la qualité intrinsèque de la démocratie. On nous a fait détester ça, alors que je pense que quand le logiciel sera SNI, on espère y arriver un jour, on retrouvera le plaisir d'argumenter, le plaisir, je sais pas moi, d'ironiser, de pratiquer des petites techniques rhétoriques, etc. Je suis persuadé que ce plaisir est à portée de main. Voilà ma propre conclusion. Et je voulais te demander ton sentiment sur cette soirée aussi. Voilà, non, mais je pense que c'est une bonne conclusion, parce que l'intelligence collective, c'est l'acceptation a priori d'un malentendu fructueux. Et c'est ce qui crée, en fait, c'est un peu la dialectique hégélienne du maître et de l'esclave. C'est ce qui crée de l'intelligence, ces rugosités, c'est ce qui crée finalement de l'inattendu, de l'accident, de la finesse. Soit tu fais de la palette numérique, de l'intelligence artificielle, et tu as toujours un peu ces mêmes êtres avec ces mêmes scènes froides, hein, globalement. Une femme à moitié à poil avec des gros tétons qui dans une robe en léopard avec des loups boutins sort d'un fleuve sur lequel elle lévite pour aller vers une tour Eiffel scintillante avec un veau d'or plein de médailles en chocolat, quoi. Voilà, c'est globalement toujours la même image, quoi. Et puis à côté de ça, tu as Egon Schiele, tu as Léonard de Vinci, tu as le complexe, la Joconde, le sourire de la Joconde, on en parlera encore dans 1000 ans, dans 10 000 ans peut-être, j'espère. Donc, ne pas être d'accord, il faut juste, pour qu'une société fonctionne en fait, et pour qu'elle soit d'accord, c'est qu'elle soit d'accord sur ses désaccords. Et qu'elle ne dramatise pas à outrance le fait que y a des gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche, plutôt une sensibilité de droite. Il y a des gens qui aiment courir, qui aiment diriger, et d'autres qui ne seront jamais chefs d'entreprise parce qu'ils aiment être dirigés, ils n'ont pas envie de prendre des responsabilités, etc. etc. Il y a des gens qui ont envie d'avoir des gosses, d'autres qui n'ont pas envie d'en avoir. Le tout, c'est d'être consentant, d'avoir un peu le sens de l'humour et l'idée de vivre dans une société qui te fasse comprendre que tu puisses vivre en n'étant pas d'accord, que ce ne soit pas un problème. C'est ça qu'on a perdu fondamentalement, et c'est là-dessus que misent
les sociétés, la social-démocratie, puisque dans le monde occidental, elles sont toutes minoritaires, et elles ont besoin toutes d'hystériser le débat pour ne pas, justement, que les gens fassent peuple, fassent nation, parce qu'à ce moment-là, on verrait tout le côté parasitaire de cette classe politique qui est diamétralement opposée à ce que veut le peuple. On l'a vu avec, d'une façon incroyable dans les dernières élections, je le disais, avec finalement tous les faillis, tous les nuls qui se retrouvent au gouvernement, tous les gens, tous les losers en fait. Hein. Donc voilà, voilà. C'est pas grave du tout. Mais pour arriver à ça, il faut, c'est comme dans une relation amoureuse, hein, accepter l'autre avec ses défauts, ses insuffisances, et en rire, en sourire, ça c'est du véritable amour. Hein. Et ça c'est super compliqué, quoi. Et après, c'est peut-être moins flamboyant tout le temps, quoi, hein, parce qu'on a toujours envie de se scotcher dans tous les sens, mais une fois que ça c'est fini, naît le véritable amour. Et le véritable amour, c'est ce qui fonde une société, avec toutes ses aspérités, ses creux, ses bosses. Donc c'est l'intelligence collective, c'est du bon usage du malentendu. Voilà, je suis d'accord avec eux. Et je vais lire, il faut que tu m'envoies ce lien pour que je lise ce texte. En tout cas, merci pour l'invitation. Et merci pour vraiment pour ton humanité, ta présence, d'avoir répondu de manière cash et directe à toutes les questions. Je tiens vraiment à dire aussi que le space était top bah, grâce à tous ceux qui étaient là, parce que vraiment la qualité est au rendez-vous grâce aux gens. Donc c'est une preuve de l'appareil d'intelligence collective, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment eu de la qualité, vraiment une. Bah, je suis super fier des gens qui étaient là, quoi. J'ai constamment été bluffé en plus par la qualité, la synthèse des bonnes questions. Donc vraiment, je fais rarement une conclusion aussi. Aussi admiratif de la totalité du space, et ceux qui me connaissent savent que d'habitude je suis plutôt insupportable et pas du tout aussi positif, quoi. Donc là franchement un grand merci à tous, et sinon bah, je vous donne rendez-vous lundi, on fera un space de fin d'après-midi avec David Fayon et Fabrice Eppelboin, on parlera de géopolitique du numérique, et puis à 21h on fera un space avec Amélie. Je viens lui demander en privé le titre du space, donc je vous dirai bientôt le titre, mais vous la connaissez, vous avez une idée évidemment du sujet dont il sera question. Bonne nuit. Oui, après toi Didier. Un hommage appuyé à Amélie qui fait avec humilité, hein, toujours, mais un travail extraordinaire, hein, qui est pourtant pas journaliste soi-disant, absolument, mais qui peut en remonter à 95% des journalistes français par la rigueur de son travail, qui ne lâche pas. C'est trop tard pour dire les choses pareilles. Je le dis parce que je le pense. Il ne faut pas dire ça avant que je sois publié, Didier. Non. je te l'ai déjà dit, de toute façon, tu le sais. Donc, voilà. Donc, suivez le travail d'Amélie. Ah, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. Je plus sois, évidemment, et je suis impatient donc qu'on puisse avoir ce space avec elle lundi soir. J'attendais d'ailleurs ce moment parce que pour l'anecdote, voilà quoi, il y a 4 ans, elle est bouleversée comme... bref, voilà, et tu, hein, d'accord. Savoir que Fred m'a connue, je devais avoir peut-être 100 abonnés sur Twitter, à tout casser si tu veux, Didier, donc... Et je suis rentrée dans son space pour la petite anecdote. Oui. À l'époque, non mais il faut quand même le raconter. C'était incroyable. À l'époque, il faisait un space et j'écoute ce mec et là je vois qu'il est qui en fait il faisait la promotion de Zemmour et j'ai dit bonjour, je suis de gauche et je suis désolée, je vous entends, vous êtes hyper intelligent, ça me plaît beaucoup, mais comment se fait-il que vous votiez pour Zemmour? Je suis arrivée comme ça, c'est comme ça que c'est rentré, pour de vrai, hein, il peut te confirmer, c'est une vraie histoire. Bah, tu vois comme quoi l'intelligence collective ça m'est... Oui, mais parce que justement comme je me suis allée contre ces idéaux que j'avais en tant que petite gauchiste, si tu veux. Ça a créé en fait des discussions qui étaient vraiment passionnantes. Bon, ça a créé des clashs aussi, mais voilà. Mais des clashs qui ont été très sains quand même, hein, franchement. Oui, voilà. Ouais, c'était toujours élégant quand même, hein, dans l'ensemble. On se retrouve là et c'est assez marrant. Et génial. Je ne me serais jamais imaginé connaître un Didier Maistre, tu vois. Ouais. Ça, mais surtout, voilà, je voulais souligner que maintenant, j'ai la fierté, l'honneur de t'inviter comme une figure, quoi. Une tête de gondole, une VIP, comme on dirait. J'en suis vraiment ravi. Le terme, c'est figure montante de la composphère, parce que c'est le titre attitré.
C'est une légion d'honneur. La définition que m'a donnée Conspiracy Watch, j'ai été extrêmement fière. Je l'ai encadré, ce truc-là, tu vois. Je suis une figure montante de la complosphère pour Conspiracy Watch. Et ça, franchement, c'est une très grande fierté. J'aurai une plus grande fierté quand ils me feront ma petite fiche. Il faut savoir que alors, je fais un appel à projet. Si vous souhaitez à l'avance faire ma fiche de Conspiracy Watch, parce que comme vous le savez, ils ont toujours les mêmes méthodes, et bien écoutez, je serais ravie d'écouter vos propositions pour... parce que je sais par mon éditeur qu'ils préparent une fiche sur moi parce qu'ils savent très bien que je vais sortir un truc sur eux. Donc, sachez que si vous souhaitez voilà, contribuer et faire un exemple d'article sous le modèle de Conspiracy Watch, parce que vous comprendrez très vite que Conspiracy Watch utilise toujours les mêmes systèmes. Donc, n'hésitez pas à vos propositions. J'ai un copain qui m'a proposé de faire sa fiche en avance et l'idée, c'est que derrière, eh ben, on pourra comparer. Voilà, petite annonce du soir. Perfetto. Pour rigoler. Merci beaucoup. Génial. On va bien rigoler. Bon, en tout cas, le fait qu'on discute tous, je pense qu'il n'y a rien de les emmerde plus. Voilà, je parle de la case, mais en général, le fait qu'on puisse converger en quelque sorte malgré nos différences idéologiques et qu'au final, on partage les mêmes aspirations, hein, globalement, hein, sauver la France, et qu'on puisse discuter sur ce thème-là, oui, c'est un signal. Merci à tous, bravo encore, et je vous dis, pour ma part, à lundi. Bye bye, bon week-end. Salut à tous. Salut.